Sur une nouvelle partie de Cops. Enfin, c'est pas vraiment une nouvelle, c'est la suite de la dernière, mais voilà. Chrome, main sur la tête, ne bouge pas. Ah, mince. J'ai encore fait. Ah, je m'entraîne, ça. Fais gaffe, hein, plus longtemps j'ai les mains sur la tête, plus tu perds d'XP. Ok, d'accord, tu peux enlever tes mains sur la tête, je te passe les notes tout de suite. Je vous laisse faire le petit récap de ce qui s'est passé la semaine dernière, et enfin il y a 2 semaines maintenant, et ce que vous voulez faire en fait, parce que je sais plus ce que vous voulez faire pour le coup. Moi j'ai été mis au frigo. Non, ça c'était il y a 3 semaines. Ah bon ? Non, c'était la semaine dernière. Non, enfin, on avait... il y a 2 semaines. On avait fait plein de choses. Attends, faut que je récupère mon petit cahier COPS. Je note tout. Bah moi j'ai le mind map sous les yeux. Alors du coup, voilà. On avait été exclu du COPS parce que l'avocat pas exclu du COPS. On est en vacances. Au repos forcé. Parce que le mec qui nous avait fait bien fait chier et qu'on avait pris un peu dans le collimateur est mort. Voilà, monsieur Maître Wax. Il s'est fait waxer la tronche. Exactement. Et voilà. Et du coup, bah là, on nous a fait bon, bah en gros, vacances pour tout le monde. Vous vous pointez tous les jours à 10h. Et il y a l'autre con. Damasque, voilà, qui est du SAD, donc la police des polices, pour nous faire chier et nous poser des questions à droite à gauche, histoire de nous faire couler. Le mec a l'air clairement orienté quand même, hein. Il a envie de se faire du COPS, visiblement. Ouais, c'est un refoulé qui a envie de se faire du COPS. Par contre, ça nous a pas empêché de trouver des informations. Notamment, on a eu la confirmation... Avant même de trouver des informations, juste une chose, quand même, votre capitaine vous fait parvenir à la fois l'avancée de l'enquête, une partie de l'enquête interne, enfin de la mort de Maître Wax, et aussi tous les éléments par d'autres cops de l'enquête que vous avez fait, que vous êtes retiré et que vous n'avez pas le droit de continuer. C'est parce que c'est quelqu'un de très bien, sauf qu'il nous a jamais donné ces informations. Oui, tout à fait, vous les avez jamais donné, vous les avez jamais eues, vous n'avez jamais enquêté toute la journée sur ça. On est d'accord. Tout à fait. Et donc, on n'a pas eu la confirmation que l'incendie était déclenché par 2 bombes incendiaires, en fait. Une qui était près du DJ et une autre qui était dans le bureau de Manfred, le patron de la boîte, qui est mort. On a su que la bombe dans le bureau de Manfred était une bombe à mèche lente. On a eu le rapport des 4 jeunes drogués que j'avais coincés en bagnole. Et le rapport dit qu'il n'est pas impossible qu'ils aient ingéré la drogue après l'incendie. Ce qui leur donnerait un alibi d'enfer pour dire « Ah bon, on savait plus trop parce qu'on était complètement stun. » Par contre, dans les objets qui ont été récupérés, je sais plus qui avait repéré une chevalière aux armes de l'école de droit. C'est le mec qui les avait coffrés. Il avait marqué dans son rapport qu'il y avait une chevalière à 2 des 4 personnes. Donc les deux sont assis au fond, en fait. Ouais, c'est ça. Dans les petits jeunes, en fait, c'est Dell et Billion qui avaient cette chevalière, pas les autres. Qui représentaient une tête de femme avec les yeux bandés et couronnés.
On a trouvé un article sur le net sur les chevalières par Simus Meadow, qui concerne grosso modo une espèce de société secrète universitaire. Quoi d'autre aussi? J'ai noté aussi que les bombes incendiaires avaient été confectionnées avec du carburant de voiture de course. Ça pouvait être assez intéressant. Concernant l'assassinat de Maître Wax, les agresseurs ont tranché le majeur de Maître Wax et l'ont emporté ainsi que son ordinateur. Mais pas les périphériques, uniquement l'ordinateur. Évidemment, les agresseurs portaient des masques de cops, ce qui fait que forcément on était désigné comme étant etc. Et par contre, évidemment, on a trouvé une photo dans laquelle Maître Wax portait la chevalière au majeur, celui qui a disparu. Ouais. Et donc, il me semble que pendant que nous, on s'amusait à aussi faire que, je sais plus quoi, que, une partie... vous avez eu accès à une vidéo du système de sécurité de Maître Wax où on voit un des badges, un de vos badges. Oui, je vois pas de celui de qui tu parles. Oui, badge qui de toute façon tournait H24 sur toutes les chaînes d'information quand on a été traqué par les journalistes. Donc voilà. Mmh. Et pendant que nous on faisait je sais plus quoi, il y en avait deux autres qui étaient carrément allés voir Simus Meadow qui est à Frisco si je ne m'abuse. San Francisco. Et qui ont quand même appris des choses sur la fameuse société secrète. Parce que il a fait un article sur eux et il s'est retrouvé au placard. Il s'est cassé de Los Angeles parce que la vie était totalement impossible. Donc on sait que la société secrète en question a les moyens de faire chier son monde, mais alors bien comme il faut. Et donc a priori il va falloir qu'on marche sur des œufs si on veut pas qu'on se retrouve à vivre la vie de Monsieur Simus. Autre détail. Ah, mais après, si tu veux, le jeu ça préparera plus Cops, mais ma vie de Clodo à Los Angeles. Voilà, par exemple. Comme ça, je pourrais autre me faire détail, renverser par une j'ai acheté des téléphones pour tout le monde. Ouais. Oui, voilà. Tout à fait. Et donc, ben. Les deux qui étaient partis en moto interroger Simus Meadow étaient revenus. Et pour ce temps, il y en avait qui occupaient les journalistes un peu déjà. Oui, c'est ça. Et qui se sont mangés des interventions sans vouloir. Exact. Ouais. C'est vrai que avec des Kalachnikov et des choses comme ça, je crois. Une espèce de gang. C'est pas une espèce, hein, c'était un gang. C'était un gang, mais un gang bien armé, quoi, avec des armes de guerre. Oui, bah un gang, quoi. Un gros gang guitage, quoi. On est quel jour dans le jeu? Alors, on avait commencé au lundi. Dans la nuit de lundi à mardi, Maître Wax est mort, donc on était mardi en fin de journée, quoi. Ouais. Génial. Donc mardi, je l'ai écrit quelque part. Hein. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas la date exacte. Mais... Voilà, tu veux la date exacte? Ouais, si tu l'as. Hein, si tu oui, l'as, oui, mais... oui. Une seconde, je sors le calendrier. Donc, lundi 3 juin, et donc nous sommes mardi 4 juin. 2030. Mmh, 2030. Bon bah, on réserve ce jour et on se boira un coup, je pense, ce jour-là. En 14 ans, du coup. Mais... Alors. 1, 2, 3. Ok. Par contre, si t'apprends qu'un Max Rowak s'est fait dessouder à Los Angeles dans les infos, ça va te faire tout drôle. Ouais. Bah, surtout à lui, en fait, hein. Mais... Et donc, l'idée, c'est que nous, on revenait de San Francisco pour vous prévenir de ce qu'on avait trouvé. Donc, ouais. On avait bien identifié une secte, enfin un groupe, une fratrie, une loge, que sais-je. Société secrète à l'intérieur société de l'école. Société secrète, ouais. Plus une société secrète qu'une secte. Mais un truc assez glauque, quand même. Hein. Ah non, attends, je suis en train de réfléchir. La nuit de lundi à mardi... vous étiez en patrouille, fin de la journée de lundi, vous êtes mangé l'incendie. Mardi, vous avez démarré l'enquête, donc on est mercredi 5 juin. D'accord. Attends, non, justement, le mercredi, c'est là qu'on s'est fait.
Non, mais lundi, la journée du lundi, vous l'avez passé à faire de la patrouille. Et à la fin de la journée, il y a eu l'incendie du Medusa Vault. Ouais. Donc on est bien mercredi 5 juin. Ça me paraissait aussi bizarre qu'on soit le mardi, mais non, il croit ma raison, on est mercredi. Vu que l'incendie a eu lieu dans lundi soir, et mardi, c'est là où il y a eu toute la folle journée avec les journalistes et tout. C'est ça. Et on a appris la mort de Maître Wax dans la nuit de mardi à mercredi. Et donc mercredi matin, on était convoqué et c'est là qu'on donc là, on est mardi, on est mercredi, il doit être facile. Ouais, je dirais 15h, 17h, je veux dire, 17h. Sachant que bah, vous n'êtes pas soumis aux horaires de bureau, vous êtes en vacances. Tout à fait, bah, de toute façon on va se donner rendez-vous dans un Starbucks par exemple. Hein, il doit encore y avoir des Starbucks dans la République de Californie. Oh, sûrement. Et puis, une marque américaine de traître, ça. Et comme ouais. Ça, ils pourront nous faire notre debriefing sur ce qu'ils ont appris et. Et ça serait bien que quelqu'un offre les cafés, parce que c'est pas moi qui vais le faire. C'est Christopher. Il est aux toilettes, Christopher. Raison de plus. Ah bah. De toute façon, il doit avoir une note, hein. Parce que de toute façon... Attends, moi j'ai payé l'essence pour aller à San Francisco, hein, aller-retour. Puis péage, etc., s'il y en a. Hop, je vais mettre à jour ton pécule. Et du coup, lui, il a rien foutu, hein. Hein voilà. Tiens, en fait, techniquement, pendant que j'y pense, moi je l'ai fait sur toutes les feuilles de perso, mais votre salaire est passé, on est passé au mois de juin. Ah oui, tant mieux. Enfin, sauf pour Guillermo, parce que il est en égalité. Non, c'est Obi, je retire 50$, donc juste pour à titre d'info, donc. Ouais. 50$, mais comment tu fais pour vivre? C'est ma paye du mois. Sur ce que. On est d'accord, je dis à combien t'es ou pas, Obi? Si tu veux, hein, je sais, j'ai pas de problème avec mon argent. Hein. 1213, donc. Ah la vache. Ok. Juste long, je te donne ton argent actuellement. Ouais. Ça correspond bien, normalement. T'es à 624$. Yeah! Je suis riche. Et Wedge. Attends, moi j'ai Adobe qui a planté. Wedge, actuellement tu es à 1157$. Ok. Ouais, mais faut qu'on déduise ensuite tout ce qu'on a à payer. Mais c'est fait, je te rappelle, t'as 57$ de revenus par mois. T'étais à 1110, à 1100, t'as gagné 57$. Ah oui, d'accord, ok. Bon, c'est tant que ça... Oui, mais attends, t'es payé mais 1500 hein, en tant que cops. Hein. Oui. J'ai pas payé 57$. Sinon, déjà que c'était pas cher, alors putain, là. C'est ça. T'as mal négocié ton salaire, on va dire, à ce niveau-là. Mais j'ai Adobe qui a planté, c'est de la daube. Hein. Ah. Bref. Bon. Bref. Donc je rappelle le Radio Flash, hein. Radio Flash toujours est présente, la pluie est battante sur LA, la sec dite de l'Arche de Noé annonce le déluge, la pollution est en hausse, la naissance de jumeaux bicéphales à l'hôpital central de Long Beach, explosion d'une fabrique de poudre à Brolet, 4 morts de disparus, un peu de pub et on écoute le dernier single de Mongoro, Fucka Moza With Your Head. Oh putain, est-ce qu'ils vont le changer celui-là? Prochain flash info sera le jeu dans une journée. Sauf si vous faites des conneries. C'est pas notre genre. Absolument pas. Bon, alors, dites-moi. Bah, ouais. Déjà, on attend les deux qui ont fait une virée oui, bah, à San Francisco. Bah, et qu'ils nous mettent au courant, alors qu'est-ce qu'ils ont appris, est-ce qu'ils ont pu le voir, etc. Bah, alors, du coup, oui, c'est une. Une confrérie, une société secrète à l'intérieur de cette école, qu'elle est très puissante, et qu'elle a pas hésité à virer le gars de Los Angeles et lui a pourri la vie jusqu'à ce qu'il se barre. Que dire de plus? Bah, je sais pas. J'attends une liste des membres.
J'ai demandé une liste des membres connus à l'époque où le journaliste a mené l'enquête, donc elle a probablement changé depuis un petit peu. Mais j'espère avoir au moins le nom de mecs qui sont devenus les grandes pontes. Voilà, j'ai cet espoir là, peut-être. Donc grosso modo, c'est une société secrète puissante qui a du fric et des relations, quoi. Ouais. D'un côté, ils sont quasiment tous avocats, donc. Et si on veut pas se griller, il faut impérativement qu'on marche sur des œufs. Alors, ouais. Et nous sommes en direct avec les cops qui sont arrêtés. Bonjour messieurs, avez-vous quelque chose à dire à la caméra ? Je les regarde d'un air bouvin. Hein. Pas de réaction des autres ? Je vais dire aucune déclaration. Prends mon gobelet et je bois. Et comme vous voyez, les cops ne font rien. Ce service est bien amorphe, a priori. Ne vous inquiétez pas, nous restons en direct, priorité au direct. S'il faut quelque chose, vous l'apprendrez en restant sur notre antenne. A bientôt. Ne pas sortir son arme, ne pas sortir son arme. Je vais attendre 2 minutes et après je vais me lever, je vais passer à côté d'eux en disant hé, hey, hombre. Dès que tu te lèves, ils allument la caméra, attention. Priorité au direct. Priorité au direct. Une info. Ah, mais attends. De poids, c'est même un scoop. C'est levé. Je vais aux toilettes. Toutes les chaînes d'infos de Los Angeles sont pires que BFM TV ou. Enfin, au même niveau plutôt. Ah, bah là, j'avais envie de faire du BFM TV. Hein. Ah oui. Alors par contre la question c'est est-ce qu'ils me suivent dans les toilettes ? Non. Non, quand même. Bon, ils filment quand tu rentres dans les toilettes. C'est pas du BFM TV, ils me suivent pas dans les toilettes. Bon par contre je suppose qu'ils vont filmer quand je vais sortir des toilettes. Il y a des chances. Voilà. Enfin, sauf s'il se passe quelque chose ailleurs. Parce que il y a un braquage. S'il te plaît. Non. Bon alors par contre il y a un gros souci, c'est que comment on va pouvoir mener une enquête en étant le plus discret possible, sachant qu'apparemment on a des espèces de paparazzi di merda qui nous collent. Si, pas aller dans un lieu public déjà. Ouais, ouais. On va chez quelqu'un quoi. Alors, vu que Christopher n'est pas là, Christopher propose d'aller chez lui. Ouais. De toute façon, ça ou il y a ailleurs, un oui, petit studio, tout le monde peut rentrer. C'est bizarre, je vois pas Christopher dans un petit studio. Qu'est-ce qu'il entend par petit studio au niveau taille de surface sa... la taille de sa chambre quand il était gamin. C'est ça, à peu près. D'accord, tu veux dire que dans son petit studio, on peut y mettre au moins 14 des miens, quoi. C'est ça. Oh, peut-être pas quand même. Bon, 13 et demi. c'est quoi ça? Non, c'est un petit studio. Il a pris un 45 mètres carrés à New Denton. Ah. Voilà, c'est pas non plus. Mais bon, il vous invite tous. Histoire qu'on soit tranquille. Vu que c'est dans un appart, c'est sécurisé, il y a un vigile, tout ça. Au moins, les journalistes y rentreront pas. Il est en étage? Hein? C'est un étage. Oh. Oui. Bon, ça me paraît pas mal. Eh ben, allons-y. Allons-y. Alonso. Ça me paraît pas mal. Je vais me cacher, excusez-moi. Ouais, ouais. Non, c'est bien, sans le savoir, tu viens de faire une référence à Doctor Who, c'est pas mal. Qui ça? un truc avec une boîte bleue. Bien, donc, une fois qu'on est chez notre ami... New Denton, donc, vous connaissez New Denton, hein, c'est le centre-ville neuf. Donc, appart sécurisé, alarme, etc., concierge, le truc est neuf. Et il a les services de luxe dans l'appart, hein, à savoir que il a tout ce qu'il faut dans un appart moderne et luxueux qu'il faut. Voilà. Et il a le même ordinateur que vous avez au COPS. C'est le même.
Est-ce qu'il a un robinet qui ou donc coûte du Perrier? Ça serait marrant, mais non. Par contre, attends, il a le même ordinateur, mais est-ce qu'il a les mêmes accès? Non, faut pas déconner. Mais, juste tiens, d'ailleurs, en parlant d'ordinateur, à titre d'info, le COPS est équipé avec des bons ordinateurs, contrairement au reste du LAPD. Hein. Et donc, il y a un ordinateur qui est du haut de gamme, quoi. On peut jouer à Call of Duty 24? Sûrement, s'il l'a, mais c'est pas sûr qu'il l'ait. Toi, tu te démerdes avec lui, hein. Bon, alors maintenant, il va nous falloir un plan d'action, parce que... Pour ce qui est de la déco, il faudra qu'il soit là pour l'expliquer, parce que moi, je peux pas l'expliquer pour lui, la déco. Alors, le truc, c'est que j'ai pas trop d'idées sur ce qu'on va faire maintenant, en fait. Moi, ce que je dirais, c'est que je vais allumer la télé, histoire d'avoir peut-être un peu plus d'infos que les flashs radio, et voir ce qu'ils en disent sur la mort, etc., du bus. La seule chose, c'est que on sait que Maître Wax, a priori, la mort de Maître Wax est en lien avec une société secrète, à cause de son majeur coupé sur lequel il y avait la fameuse bague. Il y a des chances. Ça ressemble fortement à une... Il n'est pas impossible que ce monsieur était assez puissant dans cette société secrète, je pense. Aussi, la question, c'est pourquoi la société secrète l'a liquidé ou a voulu faire passer un message? Parce qu'apparemment, il n'y avait rien à voir dans l'histoire, lui. Il a simplement fait du ramdam pour libérer son fils. Mais si c'est un message, c'est un message à qui? Et justement, en plus, déjà, à qui il a fait passer un message? Ben, à moins qu'il ait découvert quelque chose... Imagine, des étudiants de la fac... Avec peut-être la complicité des gens de cette confrérie, société secrète, machin. Cour, je rappelle, vous avez le nom. Voilà, de la haute cour, ont décidé de fabriquer une nouvelle drogue. Ou de la vendre, ou d'en tirer un quelconque bénéfice. Ouais. Mais c'est une espèce de dérivé. Donc ils envoient, on va dire, des représentants. Quatre. Pour aller négocier avec le mec pour... que sais-je. Moi, j'aurais dit deux, Ben et Dylan. Les deux autres étaient là pour en tant que faire valoir. Oui, oui, je pense. Ils étaient là peut-être pour... Peut-être comme apprenti, une chose comme ça. Ils étaient pas encore dans la secte, mais pas loin. Dans l'idée... Ou pour peut-être vérifier qu'ils avaient les capacités de le tenir, en fait. C'est peut-être une espèce de rite de passage. Donc, ils font des négociations et... ils décident de tout foutre en l'air parce que ça leur plaît pas, que le mec les prend peut-être pas au sérieux, que sais-je, voilà. Et donc, ils font tout exploser, tout cramer, machin. Ils se barrent, ils prennent de la drogue pour partir, pour avoir un alibi de pourquoi ils sont... Pourquoi ils se souviennent de rien. Ils ont tout oublié, voilà. Et donc, derrière, le papounet se démerde pour libérer son fiston, mais... En même temps, peut-être qu'il a appris par son fils pourquoi ils étaient là-bas. Par son fils, ou qu'il en avait des doutes, ou qu'il a appris de pourquoi, du comment, que sais-je. Et il a compris que la haute cour a déconné et fout la merde. Et donc, le mec de la haute cour qui fout la merde, ou les mecs qui foutent la merde, l'ont buté avant qu'il ne prévienne peut-être... avant qu'il fasse le ménage, quoi, dans la haute cour. Que lui avait peut-être la capacité de le faire. Il faudrait qu'on puisse analyser les vidéos où on nous voit buter Wax, je dis bien nous entre guillemets, pour essayer de déterminer si on peut pas trouver une incohérence ou un autre truc qui puisse nous mettre sur la piste de quelque chose. Moi, ce que... Bah, t'as la vidéo, tu te mets devant et tu feras des jets, ça sera ça hein, si tu veux faire ça. Ok, bah oui, je Moi, pense que j'aimerais déjà, c'est la première chose à faire. Ce que j'aimerais faire, c'est déjà peut-être faire surveiller les 4 gamins, en fait. Alors, je sais pas, on a peut-être pas la capacité de les surveiller les 4, mais... C'est à vous de le faire, c'est vous qui le faites, les surveillances. Oui, oui. Bah, je sais. Hein. Alors, par contre, alors attention, là je te dis, dans le signe marché sur les œufs, fais bien gaffe, parce que si jamais les journalistes nous voient en train de surveiller les gamins, bah alors, là, c'est plus du scoop qu'il y a, ça va passer en... non-stop sur l'équivalent de BFM TV, là. Hein.
Oui, je veux dire. Priorité au direct. Ils sont encore dans l'appartement. Ah, tu regardes la télé, hein. Oui. Ouais. Mais du coup, il n'y a pas. Moi, ce que je veux faire, c'est regarder pas une chaîne d'info direct, mais plutôt une chaîne de télé normale, à une heure où il y a un JT. Ouais, non, mais je te, je te donnerai le JT du soir. Ah, voilà. Tiens, je suppose qu'il y a une caméra qui est en fixe sur une des fenêtres de l'appartement, forcément. Non, parce qu'ils savent pas quel appartement il est. Ah, super. C'est comme ça, non, c'est bon alors. Parce que sinon, s'il y avait le coup, j'aurais foutu une pancarte marquée « Je préfère ITL » sur la fenêtre. Ça aurait été... Mais bon, bref. Donc, il y a déjà le coup de regarder sur la vidéo. Toi, t'attends la liste des membres à l'époque, sachant qu'on sait quoi que c'était forcément membre. Oui. C'est sûr. À mon avis... Wax devait être quand même dans le groupe dirigeant du truc, parce que c'est quand même un vieux de la vieille qui avait de l'influence. Est-ce je rappelle qu'il y a d'autres pistes que vous n'avez pas non plus encore explorées. Hein. Non, il y a plein d'autres pistes justement, mais... Après, il faudrait savoir où se réunit cette grande cour. Bon, à mon avis, si c'est à la cour, enfin c'est probablement à l'université, mais où exactement? Et quand? Donc c'est pas une chasse à cour. Oui. Parce que où et quand, ça pourrait être pas mal de savoir, parce que du coup. Et je me dis que, effectivement, les quatre gamins, il y en a peut-être un ou deux qui vont y retourner. Notamment peut-être les deux qui portaient le petit. Oui, la chevalière, donc nos amis Dell et Billion. Ouais, mais par contre, c'est de là, à mon avis... Paul Dell et Brian Billion. À mon avis, ces deux-là vont être coriaces. Ils vont peut-être pas être du genre à parler, alors que les deux autres, qui sont peut-être pas encore dans la zone où... Voilà. Ouais, mais c'est-à-dire si que... tu essaies de miser sur les autres, si jamais ils ont absolument rien à voir avec ça, tu vas faire chou blanc. Maintenant, les deux autres sont peut-être coriaces. Le fait qu'ils aient buté Wax, à mon avis, c'est qu'il y a eu panique quelque part, je pense. Oui, je pense aussi. Je pense que, en fait, cette histoire a permis à Wax d'en apprendre, et qu'avant, il n'en était pas forcément au courant. Et du coup, ils l'ont buté pour se protéger, quoi. Et puis, ils nous font porter maintenant, le chapeau, comme ça... Est-ce qu'on pousserait la... Ah oui, non, c'est vrai, le fils de Wax n'était pas dans le coup. Mais le fils de Wax était le conducteur de la bagnole, mais du coup, lui, je pense que s'il nous voit, il va crier au viol, hein, clairement. Oui, clairement. Là, il va paniquer, il va mourir, hein, lui, s'il nous voit. Mais surtout, il doit pas être dans un état mental très très frais non plus. Mais, en map, peut-être pas. Peut-être pas, mais alors, par contre... Moi, putain, non, c'est trop dangereux ça, parce que si jamais on le contacte anonymement en lui balançant un message, en lui disant que Billion et Dell ont peut-être un truc à voir sur la mort de son père, il y a deux possibilités. Ou c'est le foirage total et on retrouve Wax Junior dans le même état que son père, et alors là, là on peut dire que c'est une foirade totale. Ou on réussit à surveiller le jeune Wax et on réussit à intercepter une conversation entre lui et Dillian et Belle où on apprend des choses ou on débloque quelque chose. Quoi. Mais c'est vraiment un gros coup de poker. Hein. Et franchement, je ne m'y risquerais pas parce que si par notre faute, Wax Junior crève aussi, alors là, par contre, notre carrière au sein du COPS... Ouais. Mais est-ce que l'élément le plus fragile dans la situation, ça pourrait pas être la meuf? Parce que du coup, elle, on sait pas ce qu'elle fout là. Non, enfin, je sais pas. Elle est de l'école aussi. Ouais. Elle donc est boursière cas, aussi. Les numéros de téléphone des quatre gamins, vous les avez, hein, parce que vous avez les dossiers. Et on a des téléphones. Du coup, on a leur adresse aussi. Oui, bah, leur adresse, ils habitent au campus. Oui. Ouais. Alors, une des choses que j'ai envie de faire, j'aimerais bien aller fouiller dans le campus quand même. Hein. J'avoue, mais c'est taquin, hein. C'est taquin. Hein. C'est taquin, et surtout, tu fais une petite recherche sur le campus en même temps que tu dis ça. Ouais. Là, je te fais un topo rapide sur ce que tu trouves sur le campus en grande partie.
Ouais. J'avais déjà fait une recherche, mais j'avais pas beaucoup développé. Tu veux que je te fasse un jet ou Non, parce que tu l'avais déjà fait la semaine dernière. Alors, la sœur Henry Lomax High School. Donc, sous ce nom se cache la meilleure école privée de juristes de la côte ouest. Elle existe depuis 1934 et forme les piliers du barreau de LA. Avocats, hommes politiques, juges, procureurs. Ceux qui sortent ont généralement déjà un contrat de travail signé à vie avec les plus grands cabinets. Il existe donc une grande solidarité entre les anciens élèves, même lorsqu'ils se retrouvent face à face dans le prétoire. Certains des professeurs apparaissent parfois à la télévision lorsqu'il s'agit d'avoir un avis autorisé sur un point de loi. Il n'est pas impossible, non, ça on s'en fout de toute façon. Ah oui, c'est si vous avez fait des études de droit, forcément vous avez entendu parler. Si c'était dans le privé, bah il y a de fortes chances que c'était là. Mais c'est pas votre cas. C'était pas dans le privé pour ceux qui avaient fait des études de droit. Alors, les méthodes d'enseignement sont traditionnelles, port de l'uniforme, bisonzitage à l'ancienne, fraternité gérant les pavillons étudiants, grade liée à l'ancienneté, etc. Alors... Juste une question. Il ne doit pas y en avoir des masses, des grands cabinets. C'est Los Angeles. Ouais, mais... Il y a un paquet de... Si, clairement. Si, il y en a un paquet. Ouais. Le campus, donc, est entouré d'un haut mur d'enceinte de 3 mètres hérissé de barbelés doté de deux accès protégés par des barrières, par de simples arrières. Le jour et d'un portail massif la nuit, au nord et au sud. Alors, le nombre de gardiens, ça t'en sert rien, je pourrais te le donner. Oui. Donc, le campus est relativement grand, puisqu'il couvre une surface de 3 gros pâtés de maisons, 3 blocs. Et qu'il a résisté à l'invasion industrielle de Norwalk. Outre le bâtiment principal, une vieille bâtisse victorienne aux briques noircies par le temps, se trouvent la bibliothèque, l'administratif, les salles de cours, l'auditorium, le musée de l'école, et un gymnase avec une piscine, 5 maisons étudiants, dont une pour filles, un réfectoire, une maison pour les gardiens. Actuellement, l'école compte 250 élèves, dont 64 pensionnaires. Même si les parents habitent à côté, une vingtaine de professeurs. Le directeur, Sir Kate Albert Young III, dirige cette institution depuis... Sur les photos que tu vois de l'école, ce qui est sûr, c'est que le gazon est synthétique. Bah ouais, hein, c'est Norwalk, hein, faut pas prendre du truc. Il y a seulement quelques arbres sous serre qui sont naturels. Voilà. Pour l'école. Voilà. Est-ce que du coup, il y a des pensionnaires, donc il y a des gens qui ne dorment pas là. Parce que, idéalement, est-ce que... Ils sont pensionnaires, c'est-à-dire que des gens qui dorment par là. Et il y a des pensionnaires qui dorment là. Donc. Oui. Parce que je pourrais peut-être me faire passer pour une... Modulo, je me mets un sweat à capuche avec le gros logo de l'université, et puis des baskets, et puis... C'est fort de l'uniforme. Ah oui, c'est l'uniforme là-bas, c'est vrai. Ah. Ouais, j'ai dit tout à l'heure. De toute façon, tu serais arrivé devant, tu l'aurais vu tout de suite, donc je le dis quand même avant. T'as des photos d'étudiants qui sont tous avec leurs uniformes, etc. Sur le site de l'école. Ouais. Mais après, ouais, est-ce que... On pourrait se faire passer pour des journalistes, mais ça serait un peu taquin. Il y a une autre piste qu'on n'a pas étudiée, c'était le bras droit là du chef de la boîte. Le chef de la sécurité qui nous avait violemment menti comme un gros salaud qu'il était. Exact. Aux dernières nouvelles, il était encore à l'hôpital. Eh ben, on va en reprendre des nouvelles. De base, vous avez son numéro de téléphone. Bah, de la chambre. L'hôpital. Ouais, moi je vais appeler l'hôpital, ce sera plus discret, je pense. Bonjour madame, je cherche à savoir si monsieur Tartampion machin truc. Et, je connais pas monsieur Tartampion. Rob Gaze. Sa sœur. J'arrive pas à décrocher son téléphone, j'arrive pas à l'appeler sur sa chambre. Moi. Fais-moi un jet de bullshit. Ouais, c'est un peu ça, un jet de bullshit, ouais. Attends, je vais trouver, bah ça va être...
Alors, j'ai envie de dire déguisement, même si c'est pas vraiment ça, quoi. Non, je dirais... Bah, ça va être éloquence, hein. C'est pas de l'intimidation, c'est pas de la... C'est pas vraiment de la rhétorique, ouais, ça va être de l'éloquence, et ça va être un jet charme-éloquence. Ouh. Une difficulté de 2. Oui, t'as rien en éloquence, je sais. Oui. Donc c'est sur 9 ou 10? Ah oui, c'est sur 9. Non, c'est sur 9. Toute façon. Ok. Bon bah... Ah tant pis, hein. Ouais, bon. Bon. Désolé, il nous a pas parlé de sa sœur. Oui, je me doute bien. Je me doute bien, frère ingrat. Bon, bah, raccroche, hein. Oui, bah, de toute façon, j'allais faire le même, hein, mais bon, tant pis. Et quelqu'un d'autre appelle en disant la même chose. Je suis sa sœur. Ah bon? Vous avez une voix elle bien masculine. Et alors? C'est de ma faute si j'ai des problèmes hormonaux, connard. Bon. Et on n'a pas le numéro du COPS qui pourrait assurer sa sécurité, non? Bah, vous avez des numéros de plus de vos collègues, après, ouais. C'est pas dit qu'il y a quelqu'un qui assure sa sécurité, hein. Non plus, non, c'est sûr, mais bah, du coup, un hôpital, c'est pas super super sécurisé, quand même. Non. On peut peut-être y aller. Je demanderais à celui qui conduit de faire un jet de discrétion pour pas que les journalistes le repèrent. Quoi? Ah, tu veux qu'on y aille? Bah, je sais pas, est-ce que vous avez d'autres idées? C'est... Parce que du coup, on est en train de... On est dans une chambre en train de... Sachant que si vous avez besoin d'utiliser, entre guillemets, la force légale, il faut que vous appeliez un de vos collègues pour faire quelque chose dans ce tour-là. Parce que, de base, ils essaieront de vous aider. Oui, mais si on peut ne pas les mettre dans le truc... On peut se débrouiller par nous-mêmes, c'est plutôt cool, quoi. Donc ça vous dit qu'on y aille ou pas, messieurs? Bah ouais. On peut toujours, on verra bien ce que ça donnera après, quoi. Juste pendant ce temps-là, moi je vais quand même jeter un coup d'œil sur les vidéos pour essayer de repérer quelque chose, parce que... Bah ça, tu restes donc dans l'appartement et tu fais un coup d'œil aux vidéos, quoi. Voilà, ça me turlupine, cette histoire. Ok. Bon, alors, coup, bah, tu vas me faire, c'est quoi, éducation informatique? Non, perception informatique. Bon, alors, idée, perception mais... Non, perception pure, non, perception pure, c'est couillon, c'est qu'une ouais, vidéo. Ouais, ça aurait été plus logique, quoi. Perception pure, ok. C'est 6, la perception ouais, pure. Hein. Et ouais, je okay. Demande de réussite. C'est comme le lait, enfin, les produits laitiers. Alors, c'est parti. Eh ben... Ok, bon, c'est bien, c'est punaise, c'est la soirée, hein. Bon, Guillermo s'est endormi en regardant la vidéo. Non, mais je te dirai ce que t'as vu après. On passe à l'hôpital, donc vous arrivez à l'accueil. J'aurais pu réussir. Jette discrétion, s'il te plaît, Wedge. Ouais, je le fais. Coordination, mais c'est pas moi qui conduis, hein. C'est absolument pas moi qui conduis, hein. Ça va être 3 et discrétion... Oh, putain. Pression. Dis-moi que t'en as un peu. Oh, ça va être très beau, regarde. Dépense un point dans la ligne si tu veux, tu peux peut-être, je sais pas. Avoir un peu en plus. Ça peut aider. T'as fait quoi la ligne comme j'ai? Discrétion? Non, c'était un test pour m'amuser. D'accord. Bon. Allez, je te parie une réussite. Allez, lance. Ouais, je suis trop fort. Ça va. Fais-moi maintenant un jet coordination conduite, voir si t'arrives à les semer malgré le fait de pas dépasser les limitations de vitesse, tout ça. Il y en a qui te suivent, hein. Bon, vous arrivez à l'hôpital, y'a plus un seul journaliste derrière vous. Dans ton cul, Hercule.
pardon. D'accord. Je sais pas d'où ça sort, ça, mais... Je sais pas. Non plus, mais on veut pas le savoir, en fait, voilà. Ah. Cocoon qui m'appelle. C'est juste sorti de... Je sais pas, de... Comme ça. Non, mais on veut pas savoir d'où ça sort. Hein. C'est pour toi, c'est personnel, c'est... Enfin, c'est dans ton histoire, peut-être, dans ton passé. S'exprime, mais voilà. Si tu veux qu'on en parle, en fait, on fera ça autre que sur un canal de rôliste enregistré, en fait. Hein, je... Ouais. Ouais, ouais. Quoique, si t'avais ton ancien perso de DNS, ça pourrait être rigolo. Mais bon. Oui, non, mais putain, on fait DNS et je ne suis pas psychologue. Je ne suis pas un ange psychologue. Ah, parce que j'avoue que si j'avais mon perso DNS, là, je pourrais régler plein de problèmes quand même. Hein. Tu parles. Bon, ça serait un petit peu violent, mais... Goku vient de finir le boulot et il arrive. Dans 30 D'accord. minutes. Oh putain. Ok. Il n'y aura pas grand-chose de la partie, le bon Goku. Bah, ça arrive. Bon. Donc, l'hôpital. Vous demandez quoi à qui? Ou vous allez directement à la chambre? Bah, vas-y, oui. Non, c'est toi qui as eu l'idée. Oui, directement à la chambre. T'es pas là, toi. Fois, En gros, j'avance sur deux mois, histoire de... Je sais où je vais, et tout. Y a personne qui fait gaffe, hein. Y a des urgences, oui. C'est bon. Ils vont pas t'arrêter alors que t'as l'air de savoir où tu vas. Oui. Donc voilà, je vais dans la chambre, et est-ce qu'il est là? Non. Voilà. La chambre, a priori, elle vient d'être, refaite. Dans le sens où le lit est fait, etc. J'interpelle une infirmière, vite fait. Vous savez où est-ce qu'il est parti? Bah, en montrant la chambre. Il est rentré chez lui, je crois. Ou il est parti travailler, je crois. Oui, c'est ça, il nous a dit qu'il partait travailler. Et vous savez où? Parce que son dernier... vous êtes qui? Donc, sa dernière usine, l'endroit où il travaillait, a un petit peu cramé. Oui, il avait l'air assez content, il disait qu'il avait un nouveau travail. Ah. Ah, fun. Voilà. Donc là, c'est tard le soir. Enfin, Non, il est 19h, un truc comme ça. Ouais. 19h. C'était hier donc que vous l'avez parlé à ce gars-là. Hein. S'il est parti travailler maintenant, il fait peut-être des heures de nuit. Elle te dit, il est parti. Quoi, il devait être. Je sais pas, 10-11h quoi. D'accord. Alors du coup, on va demander à nos amis cops d'essayer d'identifier son téléphone, de savoir où est-ce qu'il est. Ok, t'appelles quel qui quartier? Adresse, son numéro personnel. À qui je vais être... Alors, ou sinon, il va nous envoyer chier, je pense. Sinon, stagiaire. Ouais, ça peut. Stagiaire, toujours sur un numéro personnel, quoi, en fait. Vous avez pas la plupart des numéros personnels des cops, hein. C'est ça le problème. Mais je sais pas, bon... Et vous devez avoir entre radio pour les appeler directement aussi. Hein. Oui, mais la radio, c'est enregistré par les anges et compagnie, donc... Oui. Moi, je mettrais bien... comment elle s'appelle, Brain, par exemple. Mmh. Semble cool. Alors, Brain... Mais après, je la connais pas plus que ça, donc... Oui, c'est qu'on est nouveau... Et on est accusé de meurtre, tout va bien. Hein. Tout le monde a envie de se bouger avec vous, c'est bien connu. Ouais. Il y en a qu'un qui serait satisfait de ce qu'on a fait, mais... C'est Padre qui est le boss du stagiaire, c'est ça? Qui est un peu le boss du stagiaire et qui est chargé un peu des relations publiques. Bah, je vais appeler Padre, du coup. Parce que lui nous a déjà dépanné, je crois. Il répond, oui. Allô? Allo Padre, c'est Headshot. Ça te dérange pas? On aurait besoin d'un... Comment dire? On aurait besoin de ne pas savoir où se trouve un téléphone. Dans quel quartier, à peu près. Et là, il te répond, c'est simple, hein, si tu sais pas où il est, tu sais pas où il est, quoi. Oui, mais enfin, tu me comprends, hein. Bon, à la couche. C'est le patron du... Enfin, c'est le chef de la sécurité de la boîte de nuit, là, du Medusa Volt, là, qui a cramé. Apparemment, il a un nouveau boulot. On aimerait savoir où c'est.
Attends, voilà. je regarde une seconde. Bah écoute, je vais coller le, comment il s'appelle le gamin dessus là. Il va essayer de voir si ouais. Il peut trouver ça dans la base de données où c'est qu'il bosse maintenant. Et bah, cool. Là, son portable, bah, d'ici, il me fera ouais, une dizaine de minutes au moins pour essayer de d'avoir le loca. Peut-être plus parce que bon, j'ai pas de bandage, j'ai rien. Non mais ça me va, hein, prends ton temps, hein, pas de problème, ouais. Tu peux rappeler sur ce numéro-là. Je vous préviens que j'ai quelque chose. Très bien. Je te remercie. Mais de rien, vu qu'il y a rien que je vous donne. Bah du coup, je vais le laisser tranquille. Hein, Oui, en même temps. Voilà. Si à la limite je lui demander comment se passe l'enquête, peut-être qu'il a peut-être des choses à nous dire tout simplement en plus. Il te dit que l'enquête a été confiée à Lord Yves. Lord Yves. J'ai pas compris. Attends, excuse-moi. Aïe. Oui. Attends, hop, que j'attrape le bouquin. Ah. Pour pas me tromper. Attends, quoi que j'ai le mind map, normalement j'ai tous les. J'ai tout mis dessus. Ouais. Hop. Alors, Lord Yves. C'est quoi déjà le truc? L'endive. Tac, tac, tac. Alors. Hop. Orgive, c'est l'Organisae de Crime Division, si je me rappelle bien. J'ai dit pas de conneries. Bref, c'est une brigade de la LPD, quoi. Ouais, oh, c'est une autre brigade. D'accord. Et sur le crime organisé. Ou qui? Disons, officiellement. Bon, maintenant, ils ont plein de choses à faire. Hein. Ouais. Bon, bah, écoute, je te remercie. On attend avec impatience... les infos si t'en trouves. Voilà. Ciao, ciao. Gros bisous. Tout ça. Ah oui, j'ai le capitaine qui a dit que si vous même si vous êtes dispensé de rapport, ça serait bien d'en faire quelques-uns verbaux. Oui. Oh bah, de toute façon, on va les faire tous les matins. J'ai une sale image dans la tête, mais ok. non, ça c'est ta faute, hein. C'est Padre qui a repris le Cessna. Non. Là j'ai pas compris. C'est pas Padre qui a repris l'affaire du Cessna. Ça je sais pas, c'est toi qui m'as dit que c'était lui, mais je sais pas d'où tu sortais ça en fait. Il me semblait que c'était lui en fait. Oui, je sais pas en fait, je me rappelle pas moi en fait d'avoir dit ça. Mais bon, en tout cas, de toute façon j'avais dit au capitaine que s'il y avait besoin de plus d'informations sur cette affaire du Cessna, qu'il me contacte. La personne en charge de l'affaire me contacte s'il y a besoin. Ouais. Oui, mais de toute façon, pour l'instant, il vous laisse tranquille, hein, surtout. Ok. Bon, bah. En attendant. Ah oui, il faut que je dise à monsieur. Ce que tu as revu sur la vidéo. Guillermo, ce que j'ai revu sur la vidéo. Donc les agresseurs ont été filmés, donc malgré des masques, des cagoules et des manteaux larges, apparemment, il y a Jimmy de l'informatique du LPD qui ont réussi à sortir l'image d'une plaque sous le manteau qui baille, plaque de Nice. Hein. Mm-hmm. En dehors de ça, rien de plus en fait, parce que on les voit se balader en fait dans la maison en fait et traîner Maître Wax en fait un moment dans le sous-sol. On les voit pas mutiler Maître Wax. Non. Est-ce qu'on les voit parler entre eux, entre Wax et les criminels? Je vérifie. Mais a priori, ça a pas l'air d'être le cas. Voilà, donc non, a priori non. C'est quoi ça? C'est Wedge qui queen. C'est moi qui queen?
Bah non, parce que je l'en... puisque je l'ai entendu bon, aussi, bah donc ça peut pas c'est être moi. C'est Clon qui queen. C'est moi qui queen. Queen, Clon, queen. Ah, c'est moi qui queen devant ma vidéo, en fait. Là, j'en profite pour liquider quelques bières dans le frigo de Christopher. De toute façon, il est pas là, alors... Raison de plus. Oh, hein, fais-toi plaisir. Hein. Raison de plus. Attends, quoique, en fait, non, tout le frigo de Christopher, je sais pas s'il a des bières, mais ce qui est sûr, c'est que la bouffe que tu trouves dedans, tout est, est bien rangé, dans les espèces de tupperware, en fait, comment dire, bien fermé, t'es avec du cellophane et tout, et tout a l'air, en fait, étiqueté, c'est de la secure food, c'est le truc, c'est sécurisé, sous vide, voilà. C'est vraiment pas comme chez moi. La question, il n'y a pas de doigts à l'intérieur de ton frigo. Pas de doigts. ni de tête, ni quoi que ce soit d'autre. En fait. Non, ça c'est dans la boîte à côté du lit. Ok, d'accord. Okay, alors, le mec il est mort la nuit dernière. Il n'y a pas eu de rapport d'autopsie sur sa mort. Bah, vous avez déjà eu le rapport en fait. Ouais. Oui, vous voulez... pensez qu'il a été mutilé du voilà, mauvais. Voilà, vous savez qu'il est mort, qu'il s'est pris hein, ça, plusieurs coups, qu'il a été mutilé, et que les légistes pensent que c'était pour le faire parler. Ouais, mais parler sur quoi, c'est ça le truc. Non, mais ils pensent que c'est pour faire parler, nous on oui. sait a priori qu'il avait simple. Il a été parlé sur le fait que savoir pourquoi ouais. il en voulait à ses pauvres cops qu'il a maltraité. Je rappelle que c'est vous hein, qui l'avez tué. Alors en fait, je le vol de l'ordinateur, ça prouve qu'il avait peut-être des dossiers compromettants. Enfin, des trucs, et donc, on avait essayé de retrouver son ordinateur. On avait demandé au stagiaire de le faire. Non, le truc, c'est qu'il y a une clé. Il y a un boîtier qui sert de clé pour déverrouiller l'ordinateur. Qui est à l'appartement qui est, non, dans, la qui est dans la maison. Ouais. Et les masques qu'il porte, à l'exception de tous les masques blancs, il y a un masque avec les couleurs de Lynn. Hein. Ouais. Comment ils ont eu cette information? Parce que Lynn a déjà mis son masque quelque part. Possible. Bah, je l'ai de toute déjà façon, porté on dans sait une caméra. La société secrète a du fric et de la relation, donc ils peuvent très bien avoir demandé des informations à ce niveau-là. Je rappelle donc, après les propos recueillis à la domestique maison, les agresseurs utilisaient des tourfas de police, portaient des masques, ceux du COPS. On ajoute à. Il semble prouver que Maître Wax connaissait la voix de leur meurtrier. Ah! Une fois dans la cave, les prisonniers ont été battus. Deux femmes, le chauffeur, la fille de Wax, de 9 ans de Wax. Mais juste à titre d'avertissement, ils sont tous à l'hôpital et hors de danger. Selon les premières constatations, Wax a été frappé une centaine de fois et sur tout le corps avant de succomber. Son ordinateur a été volé, son carnet d'adresse est introuvable. Et selon le légiste, on a voulu le faire parler l'avocat avec ou sans succès. Alors la question que je me pose, c'est que si la famille elle est à l'hôpital, ils sont pas chez eux. Bah ils étaient à l'hôpital, ça c'était ce matin. Maintenant, est-ce qu'ils sont à l'hôpital à cette heure-là, je peux pas te dire. Enfin si, moi je pourrais te dire, mais non, je dirais pas. N'oublie pas que si tu veux les interroger, nos gueules ont fait le tour de toutes les chaînes. Non, non, c'est pas les interroger que je veux faire, moi. Moi, c'est aller à leur maison récupérer le doodle. Longueule, verrier. Et éventuellement, peut-être, enquêter sur le crime. Deuxièmement, il vient de dire... tu l'as lu, hein, que l'agresseur connaissait nos voix. Maître Wax, il nous avait pas tous rencontrés, je crois, si. Moi, il m'a parlé à moi, c'est certain. Oui, ouais. C'est tout. Bah après, mais je crois pas qu'il m'ait parlé à moi. Il y en a plusieurs qui ont parlé. Hein. Oui. Bon. Ouais, mais de là à reconnaître la voix de quelqu'un, oui, non, mais après, je sais bon. Pas. Quel intérêt, parce qu'ils ont battu les domestiques, mais ils ont aussi battu la gamine de 9 ans. Quel intérêt de battre la gamine de 9 ans? Si ce n'est éventuellement devant son père pour le faire parler, mais... Oui. Bah, je sais pas, moi. Ils sont peut-être fans de l'école autrichienne, quoi. Oh putain, ça recommence. C'est quoi, bah, je suis flic, moi, je suis pas profiler, c'est bon, quoi. Et par contre, j'ai une théorie plausible.
Mais là, tu parles loin. Alors, avant la théorie, je fais les infos que Obi avait demandé tout à l'heure. D'accord. Donc, dans les infos, bon, déjà en dehors de ce que vous savez déjà, il n'y a rien de plus. La seule chose que en plus que tu apprends, c'est que, alors, que je me trompe pas de jour. Là, on est 2, 3. Vendredi, il y aura l'enterrement de Maître Wax, avec tout le gratin de LA qui sera présent. Il faudrait savoir si... Les proches parents, tout ça. Il faudrait savoir si la famille de Maître Wax, qui a été victime aussi de l'attaque, a déjà été entendue et si les dépositions ont déjà été recueillies pour qu'on se les mette sous la dent. Je suppose. Ouais, maintenant, faut voir. Hein. Là, pour l'instant... Je pars du principe que vous êtes tous retrouvés à l'appartement, à moins que vous êtes partis ailleurs. Non, de toute façon, là, on est que... Logiquement, on est Lynn et... Non, mais oui, mais on est Lynn et moi à l'hôpital. Ouais, on a fait à l'hôpital. Ouais. Après, on est rentré, je pense, mais... Bah, c'est pour ça. Ouais, Du coup, l'enterrement, ça pourrait être pas mal... C'est vendredi. Ouais, ça. Attends, là, il y aura tous les journaleux et on va se pointer. Tu t'imagines, les assassins présumés sont présents lors de l'enterrement de machin. Ça... Non, alors, c'était moi, pas ça qu'ils voulaient faire. Je pensais pas forcément m'y pointer en même temps. Alors, déjà, si on se pointe, on y va en camouflet violent. Hein, ça, ah oui, parce que. Les présumés tueurs qui se pointent à l'enterrement. Hein, comment foutre la merde. Sûr. Mais. Moi, ce que j'imaginerais bien, c'est aller à l'endroit où il va être enterré et poser des micros. Comme ça, on laisse les micros travailler. Nous, on écoute les conversations pendant, ou à la limite, on filme même, si on peut. Et on enregistre tout, parce que je pense que dans les gens qui vont venir, il va y avoir les vrais assassins. Parce qu'il y a de fortes chances que... Poser des micros dans un cimetière, c'est-à-dire là où il n'y a que des arbres, de l'herbe et des pierres tombales... Eh ben, sous terre, alors ça se fait facilement. Hein. Placer des micros, à mon avis, c'est ultra facile. Il faut juste trouver le bon endroit. Et trouver des petites caméras, on les met sur les branches des arbres et tout. Et il faut les micros. Puis... Oui. Il faut surtout les micros, mais je trouve que l'idée est taquin. Ben, tu sais, tu prends un enregistreur quelconque à la con, là, tu mets, je sais pas, 300€ dessus, tu lui donnes des bonnes batteries, tu le mets quelques heures, machin, tu lui demandes un micro-canon. Voilà, ouais, ou au pire, moi j'aurais plutôt... Enfin voilà, l'idée c'est que j'aimerais bien écouter la conversation. Il peut y avoir un micro-canon. Peut-être même la filmer, parce que... Moi, j'avoue que j'aurais bien déjà... mettre la main sur les procès-verbaux des victimes de l'attaque chez Maître Wax. Savoir ce qu'elle raconte. Faudra que tu m'expliques comment tu fais. Parce que justement, c'est pas toi qui choisis, hein, ce qu'on te donne. Justement, c'est bien le souci. Mais on peut toujours demander demain au chef... Alors moi, j'avais une théorie. Oui, t'avais une théorie fumeuse, mais vas-y. Oui, complètement fumeuse, hein, qui a fait comme ça dans ma tête. Qu'en fait, Wax était sur un autre problème, sur une autre affaire liée à la confrérie. Et en fait, nous, on était juste les bons boucs émissaires de place. Donc, résultat des courses, pourquoi aussi ne pas enquêter sur les dernières affaires de Wax? Mais ça va être très difficile d'avoir quoi que ce soit en information. Alors, je dis juste que si vous voulez vous introduire chez Maître Wax pour essayer de regarder dans son coffre-fort sur les dossiers sur lesquels il travaillait, ça vous coûtera plus que votre place, hein, mais bon... C'est clair. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais bon... Tu le dis quand même. En tout cas, j'ai sous les yeux la liste des micros, émetteurs, récepteurs, matériel de communication et autres... Ça peut être taquin, hein, en termes de prix. Hein. Après, de toute façon, tu peux aussi en récupérer au COPS. Bah oui. Hein, bah oui. J'imaginais bien le faire, hein, parce que je l'avais pas dépensé. Parce que là, je suis en train de regarder. Enregistrer de surveillance, électronique, surveillance, éducation, informatique, éducation pour exploiter une surveillance, espionnage vidéo, caméscope, j'ai une liste de trucs, de micro...
Parce que là où on a un avantage, là où on a un avantage, c'est que on peut savoir où ils vont être exactement vendredi. Donc moi l'idée c'est de je pense que les assassins sont là-dedans. Enfin tu le sauras quand ils vont creuser la tombe quoi. Alors, oui, j'ai une question légale concernant la République de Californie. La loi Miranda existe toujours, mais est-ce qu'il faut est-ce que le COPS peut décider de faire des mises en écoute par lui-même, ou est-ce qu'il faut un mandat forcément? Il faut des mandats normalement. Maintenant, si un collègue a du matériel d'écoute et qu'il vous le prête, Attends, le seul on truc va c'est faire qu'on sera pas recevable au tribunal. Ouais. Oui. Mais j'ai pas l'impression que pour l'instant soit trop le tribunal qui vous intéresse, surtout avoir plus d'infos. Ouais, c'est ça. Oui. Mais pourquoi se limiter après, au... les preuves, on les fabriquera, c'est pas grave. Oh mon dieu, j'ai pas entendu ça. Pourquoi se limiter à l'enterrement? On peut aussi voir pour mettre des micros dans les chambres d'étudiants des 4 jeunes. Ah ouais, mais faut rentrer. Parce que autant rentrer dans un cimetière, ça me semble safe, tu vois. Autant rentrer dans une université ultra blindée et protégée. Plein de Richard, c'est moyen chaud. C'est surtout que rentrer dans une une université de droit, juste là où on est passé avec télé tout pendant 24 heures. Je rappelle que bien sûr pour tout matériel d'écoute etc, il y a des contre-mesures, hein. Oui. Il y a des brouilleurs, des détecteurs etc. Alors maintenant, non, si mais tu en poses même des temps... micros dans ah la ouais, chambre d'étudiants et que tu sens qu'il y a des contre-mesures, là tu te doutes qu'il y a forcément une baleine sous gravillon. Hein. Mais le truc c'est que pour revenir au cimetière, on peut tout à fait justifier le fait que on avait besoin de faire des tests d'acoustique sur les micros, et que dans un cimetière là où personne ne parle, ça nous semblait l'endroit le plus évident. Je veux dire, qu'est-ce que tu peux opposer comme argument à ça, hein? La logique du truc, où j'ai fait des tests d'acoustique sur des micros dans un endroit où personne ne parle. Eh bien, justement, c'est pour écouter si le micro avait des parasites. Et comme on avait un super silence, on s'est dit c'est bon, le micro il est valide. Mais hasard, ce jour-là, il y a eu un enterrement. Ouais. Oh, les relous. Eh ben oui. Alors, c'est pas de ma faute. Je pense que face à l'inspecteur du SAD qui vous a grave dans le pif, ça va pas le faire. Mais alors, pas du tout. Ah bon? Oh, tu dis ça parce qu'il serait pas partisan. Mais en fait, oui, mais il faut qu'il soit au courant aussi. Ouais. Bon, ouais, je serais assez partant pour du matos d'écoute. Après, se débrouiller pour au moins voir qui est avec peut-être un appareil photo, au moins avec un super objectif pour les. Parce que il est possible aussi qu'à l'intérieur que ce mec Wax, il avait des potes dans la haute cour et que ces potes-là soient des gens influents qui nous font chier. Tiens, allez. Parce en que, parlant de ça, t'as reçu soit ton message de du gars. De Padre? Non. Non du. Ah, du San Francisco, je pense, non. Ouais, du gars. Simus Medo. Alors, t'as une liste de. Je crois que c'est 4-5 noms qu'il a retrouvés de l'époque. Dont le fameux Maître Watt. Oui, bah oui, ça c'est... Même ça c'est un peu trop facile, tu vois. Ouais, j'aurais pu le donner celui-là aussi, hein, je pense, mais. Donc, nous avons Michel Olson, Michel de ZLE, juge de la seconde cour de LA. Nous avons Victoria Jacob, avocat d'affaires. Nous avons le dirigeant de RED, Douglas Hanley, et l'assistant du procureur de la seconde cour de San Diego, Craig Lee. Ce sont les noms qui se rappellent de l'époque. Alors le premier, Michelle Olson, enfin la première, Michelle Olson, c'est la juge de... Juge de la deuxième chambre de LA. Ouais. Maintenant, il te le dit, hein, c'est juste que quelques noms qu'il avait réussi à récupérer à l'époque, mais il y en a sûrement beaucoup plus. Victoria Jacob, elle est quoi, elle, Avocat d'affaires. Douglas Hanley, c'est le PDG de... RED. Alors, il faudrait que je me rappelle ce qu'est RED, donc ça, c'est cool parce que j'ai un index, je vais voir si je retrouve...
Index. Pardon, excusez-moi. Redford. Merde, y'a rien dans l'index qui dit c'est quoi Red. Putain, ça va pas m'aider ça. Et le dernier, Craig Lee, c'était. Attends, hop, c'était. Je me remets sur le bon de temps. Craig Lee, c'était assistant du procureur de la seconde cour de San Diego. Ok, bon. Bien les trucs de loi, etc. Et je fais un F4 à 30 secondes, je reviens. Donc, micro. User joined your channel. Bonsoir tout le monde. Ah, Geoffrey, je te remercie. Désolé pour l'énorme retard, du coup, c'est facile de pas le voir. Et là, si je veux troller, je fais et voilà, suite au prochain épisode. je vais me coucher, c'est pas grave, merci à tous. Oula, c'était sympa. Non, reste là, oula. Papa. Encore pour une heure. C'était une blague. C'est sûr. Je veux pas te gêner, quoi, si tu veux. Mais tu gênes pas. Le désespoir dans ta voix, quoi. Reste. Alors, par contre, sur Rollisteam, du coup, j'ai dû micmaquer une connerie parce que j'ai personne là. Oui, mais c'est normal. C'est normal. Et puis, je m'appelle toujours non, donc. T'attends que ça charge, c'est ça? Oula! Eh bah, ça a l'air d'être l'apocalypse. Ouais, je reviens, deux secondes. C'est pas grave. Ah, c'est ça. On entend. Je vais pas le déplacer deux secondes. Si, tant si, que... si, ce que j'allais faire. Je suis en train. Alors, par contre. Voilà. Donc, d'autres idées? D'autres pistes? Je vais relancer Rollisteam parce qu'il a fait capouf. Ah mince, il a fait capouf. Ouais, bon, l'avantage c'est que je sais où c'est. Donc je vais noter ça quelque part pour le corriger. Donc là, ça va nous déco de Rollisteam? Ouais, alors du coup ça vient des images, donc essaye d'en mettre un peu moins. Ok, bon. Donc faudra pas que je sauvegarde, faut pas que je fasse ça. Donc on quitte, on relance là? Ouais. Ok. Je vais relancer. Alors, relancement, tac. Mais je pense qu'avec la nouvelle version ça sera réglé. Ah là, je suis dessus. T'as lancé de la musique. Ouais. C'est un peu flippant comme musique. Je voulais voir c'était quoi rapidement, mais je sais où c'est que je... Ah. Hop, que je remette. Ça. Et de l'autre côté. Tac, tac. Et tac, tac. Et l'autre truc que je voulais mettre. Bon, bah... User joined your channel. J'étais banni, moi. Parce que t'es... en fait, on entendait tout ce qui se passait chez toi. C'est ça. Ah, je suis en. Ah, d'accord, je suis en merde. En détection automatique. Oui, je du coup, voilà, on a préservé la vie privée de ton ménage. Ouais, enfin, pour une tasse cassée, y'a pas grand chose à cacher. Hein. Ouais. Pour une fois que c'est pas moi. Non, mais on sait jamais, tu vois. Vous auriez pu vous ouvrir la main et tout, tu vois, ça arrive des fois, donc... Avoue que ouais, t'aurais adoré m'entendre hurler à la mort, grosse sadique que tu es. Mm-hmm. Non. Même pas un peu. Non, non, tu sais, je suis pas comme ça, moi. Moi, je suis... Genre, j'entends le sourire pervers derrière cette voix, je ne te crois pas. Non, moi, je suis un gros bisounours, tu sais. Ouais, moi, on y croit partout. Tous. C'est le genre de phrase que tu peux dire, c'est un enfant dans une matane. Ouais, mais je suis un bisounours, je suis quelqu'un de gentil. Viens dans ma voiture. J'adore les enfants. Oui, mais moi c'est dans le congélateur que j'aimais les enfants. Mais mode coréenne, tu vois. Enfin, disons plutôt français expatrié en Sud-Coréenne. Sud-Corée. Parlant de Sud-Corée, ouais. Sur une échelle de 1 à Sud-Corée, du coup j'en suis où? Mais non, mais pas d'image, toi. Ah bon, faut pas en mettre du tout.
Bah non, ça surcharge le système. Mais, je sais pas, hein, je pense qu'il y a une des images qui est moche en fait et qui fait tout bugger. Il doit être pourri. Bon, voilà, il reste que les lignes. C'est la tête de l'avocat, je suis sûr que c'est ça qui fait bugger tout. Bon, connecte-toi. Où ça ? Rolly Steam ou TeamSpeak ? Oui, Rolly Steam. Rolly Steam. C'est fini, c'est déjà fait. On te parle. Non, mais je me demande, au cas où, on sait jamais. Alors, du coup, moi j'ai noté que la première personne. Alors, voilà, j'ai commencé à échouer, tentative dans 7 secondes. Ah bah oui, mais ça revient de se planter, alors du coup... Mais pas d'image, s'il te plaît. Ah, à moins que ça soit le fait d'en supprimer qui fasse bugger le truc. J'ai tout fermé, sauf l'init. Ah mais l'init, c'est pas grave, c'est un plan, c'est pas une image. Je mets tout en plan, hein, les images, il y a que ça. Hein. Non. Non, ça c'est plus lourd en fait, mais c'est un poil plus lourd. Reconnectez-vous à Rolly Steam, messieurs. Et fermez bien le logiciel et redémarrez-le. Ah, encore ? Ça a l'air bon pour moi. Oui. Et monsieur. Jean ? Monsieur Guillermo est en AFK, c'est ça ? Ouais, c'est ça. 30 secondes qui dure. Il y avait le juge de LA, il y avait l'assistant procureur de San Diego, c'est ça? Ouais. Hop, je te redis. Alors, on va juste faire un petit récap à monsieur Koukoun. Mais hop, attends, ça c'était les micros, je remets en dessous. Voilà. Alors. Tac tac, autre coup. Ouais, il y avait donc... c'était où ? Ah, c'est là. Il y a d'autres personnes que de la liste, mais vous connaissez pas. Mais en gros, en nom, avec les titres à côté, il y a le juge de la seconde cour de LA, Michel Olson, un avocat d'affaires, enfin une avocate d'affaires, Victoria Jacob, le dirigeant de RED, R-E-D, Douglas Hanley, l'assistant du procureur de la seconde cour de San Diego, Craig Lee. Et R-E-D, je vérifie juste si c'est pas un des partis que je vous ai mis. Non, a priori c'est pas un parti politique, donc ça doit être un dirigeant d'une entreprise. Et malheureusement, j'ai pas retrouvé c'était quoi le R-E-D ou RED. Bref, tu vois rouge quoi. Exactement. Ah, il est revenu. Ah bah. Ouais, je suis revenu. Désolé, je vais être certainement dérangé par des coups de fil bientôt. Tu es pardonné. Pardon divin, c'est ça. Tout à fait. Parce que le pardon est le pouvoir de Dieu, donc. Non, sinon, comment qu'on fait pour tous les avoir là ? Parce que quelque part, j'aimerais bien avoir mon salaire au mois de juillet, quoi. oui. Donc, est-ce que quelqu'un veut faire un récap rapide à Koukoud pour qu'il puisse suivre quand même ? Non, il se débrouille. On est allé à l'hôpital. Alors, en gros, on s'est réunis chez toi pour être discret, pour pas se faire trop mater par les journalistes. On est allé vite fait à l'hôpital pour vérifier, pour aller essayer de confronter le gardien là, de la boîte de nuit, qui nous avait un petit peu bullshité. Sauf qu'il a disparu et visiblement, il était tout content de partir de l'hôpital parce qu'il avait trouvé un nouveau boulot. On cherche à le localiser. C'est pas par hasard qui a magouillé le truc un peu ? Peut-être. Dans tous les cas, à mon avis, il est pas innocent à l'affaire et on a demandé à Padre de faire une recherche sur lui, son téléphone, de fouiller un peu dans les systèmes informatiques pour essayer de le retrouver où est-ce qu'il est. Donc on attend toujours ces nouvelles-là. De l'autre côté, on a reçu la liste de 4 membres de la cour, qui est la société secrète à l'intérieur de l'école. Et les 4 personnes, on a dans cette liste, on a identifié 4 personnes qui sont assez haut placées, une avocate d'affaires, une juge, un patron d'entreprise et un assistant de procureur de San Diego. Voilà. Que du petit linge quoi. Et sinon on se fait sinon c'est à peu près tout je pense. Voilà. Ok. Et du coup on essaie de savoir qu'est-ce qu'on pourrait. Alors si on a appris qu'il allait avoir l'enterrement bientôt
de Maître Wax, donc celui qu'on a accusé d'avoir tué. Et on s'était, enfin, j'avais proposé qu'on se débrouille pour au moins filmer ou enregistrer la cérémonie, enfin les obsèques. Parce que je pense qu'il y aura les vrais meurtriers là-bas. Ça va pas faire un peu malsain de filmer ça? Alors, il faut le faire discret. Hein. Ouais, mais bon. Priorité au direct. Les cops accusés du meurtre de Maître Wax pris en flagrant délit de stalkage de l'enterrement. C'est ça. Je voulais avoir effectivement, ça pourrait faire, ça pourrait être un peu bizarre si on était vu, mais on pourrait le faire de façon à être pas vu. L'autre question, c'est qu'on sait pas quoi faire d'autre pour essayer d'apprendre des nouvelles choses. Essayer de sortir de ce guet. Alors, je vais juste reprendre moi ce que je vois sur... comment s'appelle le mind map. Il y a les bah tiens, il y a toute la partie gang à gauche du mind map que vous avez pas du tout utilisé. Et après il y a plein d'autres trucs autour de après faut enquêter sur le terrain quoi. Surtout de toute façon. Ça pourrait être pas mal d'aller demander aux gangs qu'est-ce qu'ils foutaient là. Mais je suis pas sûr qu'ils vont nous répondre. Hé, hey, toi là avec tes armes et tes couleurs, qu'est-ce que tu foutais là? Comment ça s'est passé au fait la fusillade là? Parce que moi, du coup, on nous avait même pas dit qu'il y avait une fusillade en fait. Avec Gang. À voir, ça veut le dire. Hein, moi, Guillermo, Denis. La fusillade avec les gangs, bon, c'est rien de passé de plus en fait. Guillermo, comment ça s'est fini la en fait la routine, on a flingué deux mecs. On a flingué deux mecs, la routine, tu vois, c'est... Ah, alors, est-ce que tu peux partir du point de début? Parce que comment vous êtes arrivé sur cette zone-là, par exemple? C'est par hasard, en fait. On passait par là par hasard. Et en fait, on a vu deux mecs suspects rentrer violemment dans un dans une maison. Et donc, du coup, ben, cops un jour, cops toujours, ben, on est intervenu. Ok, et il y avait quoi dans l'appart? On ne sait pas parce qu'en fait dès que on a fini de un peu la fin de la séance de tir entre les mecs en AK-47 et nous avec nos pistolets. Comment on nous a dit à dire que t'expliques très bien Wedge. Depuis 3 minutes à peu près moi. Non mais parle depuis le début hein, fais le RP mais parce que début, je comprends que dalle de ce que tu fais hein. Après vous avoir largué là avec on roulait tranquillement et puis bah on a vu deux mecs rentrer violemment dans une maison. On s'est dit et vous avez fait quoi après? Le mec qui joue au méchant flic direct là, c'est l'interrogatoire entre cops. Et ok, et une fois que vous vous êtes dit qu'il y avait eu un problème, t'as fait quoi? T'es sorti de la voiture, tu l'as arrêté, tu l'as garé plus loin. On est sorti de la voiture, on y est allé, il y a eu un échange de coups de feu, une nana s'est fait kidnapper, ensuite il y a les renforts qui sont arrivés, les renforts nous ont jartés, point barre. Tu ne nous dis pas tout, Jimmy. Alors. Avoue, on sera gentil avec toi. Et la nana, elle était kidnappée par les deux mecs qui sont rentrés? Par plus, en fait, il y avait d'autres mecs... Oui, par les deux mecs qui étaient rentrés, mais ensuite, en fait, ils étaient au moins 5. Ouais, c'est ça. Ils étaient au moins 5, 2 en Kalachnikov, les deux qui sont rentrés violemment, qui l'ont kidnappé, et un cinquième au volant d'une camionnette qui l'a emmené. Mais vu qu'ensuite, on nous a fait « Hey, dégagez, c'est pas vos oignons, et puis de toute façon, vous ne travaillez plus, vous êtes en vacances. » Voilà. Et surtout, vous aviez tous les caméras sur vous, hein. Voilà, et ensuite on avait toutes les caméras sur nous, il y avait, Dany qui disait « Barrez-vous, cachez-vous, faites quelque chose, mais... » Non, c'est pas Dany pourquoi... qui disait ça. Si, c'était Dany qui était dehors et qui faisait aux journalistes « Tirez-vous, bande de cons, voilà, restez pas là, c'est dangereux. » Et la fille, vous savez qui c'est? Pourquoi du tout, elle parce intéressait que, de toute façon, les mecs? Parce que on nous a retiré l'affaire, on n'a même pas eu. Elle ressemblait à quoi déjà? Attends, Guillermo il a fait. Si, on va s'occuper, on va poursuivre la camionnette et tout. Non, cassez-vous. Il y a des flics qui sont venus, ils ont fait cassez-vous, vous avez rien à foutre ici. Pas là. Y a rien à expliquer de plus. Voilà.
C'était juste le MJ qui a fait un événement aléatoire. Ça c'était roleplay. Oh la vache. Voilà, non mais tu veux que je te raconte quoi? Il y a rien de plus à raconter quoi. Bah je sais pas. Parce que on a des gangs qui ont attaqué une meuf. Alors, c'était pas c'était alors c'est, clairement c'est clairement pas les gangs. Là je vais parler comment il s'appelle Danny qui est pas là. Clairement c'était pas les couleurs des gangs qu'on a rencontrés. Hein. C'était pas du tout le même quartier. D'accord. Donc pour le coup pas de lien de façon très lisible entre les trucs, à part que c'est des gangers quoi, mais ils portaient pas les mêmes couleurs des trois gangs qu'on a portés. Mais la meuf elle avait l'air d'être un peu gang aussi, ou possible potentiellement, ou elle était vraiment différente quoi, genre tailleur. Pas le temps de voir la nana. Ouais, on l'a juste entendu crier et puis on a vu la camionnette partir et entre temps avant que voir la camionnette partir en fait il y a eu deux trois rafales de Kalachnikov donc. Tu sais je pense que le détail de la nana on n'a pas eu le temps de le voir. Ouais. Comment, les couleurs des gangs étaient des gangs plus de South Central que de Norwalk. Et c'était pas des portoricains. Parce que les trois gangs qui étaient présents à la ressentie, c'est des gangs portoricains. D'accord. Pam, pam, pam. Ouais, je suppose qu'ils sont rivaux, ces gangs. Ouais. C'est les trois gangs qui occupent Norwalk. Enfin, ça fait partie des gangs qu'occupent Norwalk. Pour reprendre exactement, les trois grandes Potoricains se partagent plutôt pacifiquement quelques activités illégales du quartier. D'accord. Il y a quelques frictions, mais rien de comparable aux garde-gangs qui sévit dans South Central ou dans les autres trucs. Donc ils vivent entre guillemets en bonne entente et dans une certaine paix dans le sens où il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, quoi. Enfin, je rappelle, dans la description que je vous ai donnée, il y en avait un des trois gangs qui, lui, rêverait bien de se fumer tout le monde. Ouais. Mais du coup, il y a personne qui a des contacts dans les gangs pour essayer de savoir qu'est-ce qu'ils foutaient là? Au Victoria, enfin, au Medusa, Vol. Moi, dans les gangs, non, je suis assez limite question relation. Ouais, je m'en doute. Moi aussi, un peu. Je suis du bon côté de la force sociale. Ouais, Guillermo. Oui. Tu connais pas des gens dans des gangs? Dans des gangs? Porto Rican. Du quartier ouest. Pas trop. 13ème avenue, si. du coup, là, dans l'idée, si je comprends bien, on est plus ou moins à la traque de deux groupes, quoi. Donc les Portugais, Porto Ricains, machin. Hein et, non, mais enfin, les gangers, quoi. En gros, c'est une des pistes qu'on n'a pas étudiées. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi il y a eu cet incendie et qu'est-ce qu'il foutait là. Une fois qu'on a compris qu'est-ce qu'il foutait là, on peut peut-être s'y deviner qui c'était. Les jeunes avocats, tu dis, hein, parce que moi, j'avais pas vu. Enfin, je me rappelle pas d'avoir vu les gangs là. Les gangs, on sait qu'ils étaient là-dedans, mais si on les a vus. Ils étaient là-dedans aussi. Ils étaient aux barrières. Ah, ok, tu fais bien de me rappeler. D'accord, ok. Voilà. Donc, on suppose que si les trois. On sait que le Medusavold était un peu la zone de paix. Ouais. Des gangs. Donc, un peu une zone neutre, quoi. Peut-être que. Du coup, il y avait le gang à l'extérieur, les gosses qui sont sortis, qui faisaient partie de la secte avocat judiciaire, là, qui sont bas à toute bringue et qui sont pétés les dents. Et en plus, il y avait le. Comment on appelle ça? Le concierge, en gros, qui avait l'air un peu. D'être un peu trempé dans une histoire bizarre aussi. Le chef de la sécurité. Alors, le chef de la sécurité, il nous a menti. Parce qu'il nous a menti sur sa position pendant les événements. Mmh. Il s'est barré de l'hôpital, il a trouvé un nouveau boulot. Il a trouvé un nouveau boulot, genre 48 heures après que son patron est cramé, quand même. C'est un peu taquin, quand même. Hein. Un peu trop suspect, chanceux, quoi. Moi, mais j'aurais dit plus que taquin. Ouais. C'est comme ça en cas. Oui, bah, ça m'étonnerait pas qu'on lui ait proposé une solution de reclassement s'il fermait les yeux, quoi. Par exemple. Ou carrément, ouais, il a été payé pour faire crime, un truc, quoi. Et du coup, on l'a dit, t'inquiète pas, on a une solution de repli. Enfin, de repli, ouais. on va te cacher là, et comme ça, tu pourras te refaire, et on n'aura pas de soupçon sur toi, quoi. La question est de savoir si... Est-ce que les quatre gamins qui sont qu'on a arrêtés, c'était les mecs qui étaient...
qui était venu parler ou pas. Parler ou est-ce pas. Que c'est juste c'est-à-dire des victimes et puis, ben, en fait, l'idée c'est que on suppose que la il y a eu une embrouille entre le patron du Medusa Vault et des mecs. Et ces mecs-là, on sait pas qui c'est. On peut supposer que c'était les quatre garçons qui se sont barrés très rapidement. C'est officiel qu'il y a eu une embrouille, on est d'accord. Non, non, on sait pas. On... Ah oui, c'est une supposition. Bah, alors, c'est une supposition, mais c'est la plus logique. C'est quand même super rare de se suicider par une bombe à mèche lente. Hein donc je pense que le mec avait des opposants. Voilà, c'est un peu mon idée. Donc je pense que oui, il y a eu un clash avec une faction qu'on ne connaît pas. Si cette faction, il avait rien eu sous la main. Hein. Ah peut-être, mais cette faction, ouais, comme on enfin, la connaît bon... pas, on peut supposer. C'est très patient. Des assassinats, vous êtes impliqué personnellement parce que le mec s'est suicidé. Franchement, ça la foutrait mal. Hein. J'ai envie de dire. Oui. Il y a motif dedans, lui. Je peux finir ou c'est interdit. Vas-y, excuse-moi. Alors, du coup, dans cette faction, comme j'ai dit, on la connaît pas, on suppose que c'est la société secrète ou des gens qui gravitent autour. Mm-hmm. On sait pas si les gamins étaient là par hasard ou s'ils étaient là comme on va dire, un peu des lièvres ou des boucliers, en quelque sorte. Ou peut-être pour un rituel de passage. Toujours est-il que l'équation prend en considération aussi les gangs, les trois gangs locaux qui étaient présents. Mais ça, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'ils devaient faire partie de la négociation qui a mal tourné? Est-ce qu'ils devaient en avoir le fruit? Est-ce qu'ils en avaient entendu parler et voulaient avoir un peu les résultats? On ne sait pas. Bref, on s'en fout. Toujours est-il que après cet événement, les gamins, on les a chopés, et là, on s'est fait violemment tabasser par la haute cour qui nous a envoyé le maire, le procureur, le machin, le truc. Ils nous ont roulé dessus quoi, comme c'est pas permis, quoi. Et là, le père du gamin se fait buter par des gens qui nous ressemblent, enfin qui se font passer pour nous, entre guillemets. Et donc, ça nous met encore plus. Donc, il y a de fortes chances que les gens qui nous foutent à mal sont les mêmes gens qui ont cramé la baraque, enfin la tabac de nuit. Ça me semblerait assez logique, qu'ils veulent tout nettoyer pour être peinards. Donc, ouais, ils ont une bonne protection. Levez les bras s'il y a des oppositions. Hein, ils ont de bons contacts, les quatre gosses, quoi. Ils font vraiment partie d'un groupe un peu puissant, quoi. Ouais. Bah, en fait, pour l'instant, on a alors, plusieurs deux d'entre éléments eux, qui sont à part, on n'a pas de lien entre tous, quoi. C'est surtout ça qui nous embête. Et donc il faut qu'on trouve un fil directeur et un fil pour relier tout ça. Vous avez surveillé un peu les gars, voir s'il y en a qui essaient de prendre contact avec eux, qui tournaient un peu trop autour, de chaque côté, enfin pas les gangers parce qu'on les connaît pas encore trop, mais je veux dire les quatre jeunes ou le concierge, enfin le chef de c'est ce qu'on pensait. Alors le concierge, on essaie de le retrouver, parce qu'on sait pas où il est. Ah vous savez pas où il est. Ah d'accord. Non, il est parti de l'hôpital. Prêt pour le téléphone de Padre qui vous dit où il est. Ah bah moi je veux bien. Je suis déjà volant. Bah... C'est du calme. Je tire. Y a Padre qui appelle. Bon, j'ai retrouvé votre gars. Ah, bah c'est bien. Il alors me dis pas qu'il a été bouffé par des chiens. Hein. Comme chef de la sécurité à la sœur Lomax High School, à l'école d'avocats. Eh merde. Mais ça merde pas. Oui, mais là déjà on a un lien. Donc on a un lien, ouais. Ouais. Donc, à mon avis, on l'a acheté pour que soit il ferme sa gueule, soit il place les bons. On lui a demandé de faire le sale boulot, quoi. Et en échange, on lui a proposé un emploi de... Je suppose qu'il est probablement mieux payé et c'est peut-être plus tranquille comme boulot que... Comme chef de sécurité d'une boîte de nuit, quoi. Boîte de nuit. Ouais. Donc, moi, je serais quand même partant d'aller espionner ce mec-là. Voire même lui faire quelques bleus, mais... Bah, lui, mais il a l'avantage de ne pas avoir la protection, en tout cas... Enfin, pas de protection visible pour l'instant, quoi. Il n'y a pas l'air d'avoir de gros groupes derrière lui pour l'instant. Parce qu'on va pour l'instant alors, pas s'attaquer aux gangers, c'est que... ni aux avocats. Alors, si les chefs de la sécurité là-bas, c'est pas dit qu'il soit pas... qu'il n'ait pas un logement de fonction là-bas. Donc, s'il est dans le campus, c'est super protégé, hein. C'est genre... C'est genre... UGSS, quoi. Mais hein. On n'est pas sur une île. Disons qu'il faut avoir une bonne raison d'y aller en mode discretos, machin, et être sûr d'avoir des infos à récupérer, quoi. Dans un campus universitaire? Ouais. Ça passerait si je dis que je suis une formation ou pas? T'as la blouse du campus?
Non, mais je vais il y a un uniforme. Et puis je leur dis bonjour, je vais m'inscrire. Le campus. Tu veux dire, depuis que ta tête alors... passe à la télé. Chut, ils savent pas. Alors, c'est une question conne, mais ouais. Début juin, dans les universités, il n'y a plus personne hein, normalement. Hein, c'est ouais, les vacances là, déjà. On va dire que si. Ok. Parce que j'ai pas envie que ça soit désert, j'ai envie qu'il y ait du monde. Et je t'avoue que c'est pas. Ça... Le scénario est prévu pour être joué n'importe quand, et je le joue avant la campagne, et donc par rapport à la table d'événements que j'ai. D'accord. Et après, c'est l'école privée, alors peut-être qu'il y a du monde. Hein. C'est pas un panneau interdit d'accès par le MJ, ça. Hein ? Là, il y a du monde, c'est dur à y aller, je veux dire. Non. Non, j'ai envie de te faire ça. Je sais pas comment vous allez infiltrer, donc. Non, je donne bah, juste les. On a. Les, on a, les on a enfin, moi j'avais proposé deux. Enfin, à mon avis, il y a deux façons. C'est soit on se fait passer pour des étudiants, enfin trois. Soit on se fait passer pour des étudiants, soit on se fait passer pour des intervenants quelconques, des journalistes, trucs comme ça. Après. Et le troisième, si, c'est. Si tu veux, moi, ce que. C'est PPN, à la limite, quoi. Fais-moi un jet d'éducation déguisement. C'est ça, moi ? Ouais, parce que tu proposes des plans. Donc, fais-moi un jet d'éducation déguisement. Juste une question. Il doit bien y avoir ouais. Un truc lié à la lutte ou quelque chose comme ça dans cette école. Ouais, peut-être un club. Non, j'ai que dalle en déguisement, hein, donc... C'est moche. Non, ouais. Mais tous les jeux que t'as fait, sauf celui que t'as voulu pour tester, tu les as foirés. Laisse tomber, c'est pas ta ouais. Soirée. Non mais j'en ai pas fait beaucoup non plus. Hein. Oui, mais voilà. Ce sont des beaucoup compétences beaucoup. Que j'ai vraiment pas quoi. Donc. Bah, on peut se te pointer genre auditeur libre et compagnie quoi. Ça pourrait se faire ça, non? Tu mets juste en civil, 2-3 cahiers sous le bras, ça passe. Hein, si tu alors, c'est comme si c'est une école privée. Ah, privée. Si t'as pas payé, tu rentres pas, je crois. Hein. C'est ça. Mais du coup... Oh. Je rappelle pour Christopher, donc méthode d'enseignement traditionnelle, port de l'uniforme, bisutage à l'ancienne, fraternité gérant les pavillons d'étudiants, grade lié à l'ancienneté. Du coup, où les visiteurs étrangers importants sont tout de suite repérés. Forcément. Ouais. De base, on se fait griller, donc, par soit contre, par la sécu, soit par les élèves. Bien sûr, du blouson adéquat, c'est-à-dire donc. De comment ça s'appelle du, ouais, du blouson fort, faction, un jeune copse peut peut-être se faire passer pour un élève. Tu peux aussi, ouais. si t'arrives à toper une écharpe professorale, te faire passer pour un professeur. Mais chaud déjà, ça, parce c'est que les collègues vont se voir quoi. Ils n'ont pas forcément. Ouais, maintenant c'est un grand, c'est un grand campus, hein, comme. Ouais. Sinon, il nous reste la méthode. Si je un élève, tu vois. Si je leur demande une faveur, moyennant argent ou moyennant service, tu ah vois. Ah ouais, mais non, mais tu vas te faire. Tu vas te faire renvoyer sur la lune, mec, hein, si tu fais ça. À mon avis, ils sont tellement solidaires, les mecs, que c'est fou boudave. Hein. Non, mais je demande pas de dénoncer un élève, je demande de dénoncer le chef de la sécu. Ils s'en foutent, c'est pas un des leurs. Mais dénoncer quoi ? Qu'est-ce pas dénoncer, me filer des infos, tu vas voir qu'est-ce qu'il fout. Il vient d'arriver comme souris. Ouais. Bah, rien n'empêche de le mettre sous surveillance, hein. Et c'est les mieux placés, ils sont sur le campus. Ouais, et enfin, ils vont je vois mal un futur qui avocat. Qui est déchargé d'affaires et qui est passé à la télé. Ouais. Moyennant service ou thune, ça peut se négocier. Ah, t'as intérêt à faire des putains de avec jeux. Grosse thune, avec grosse thune peut-être, mais. Ce que je veux dire, sinon, moi j'ai 2-3. Je connais 2-3 personnes du coup, au niveau familial, j'ai 2-3 moyens, donc je pense que ça intéresserait certains d'avoir des contacts du coup, on va dire, un peu dans la haute, si je peux me permettre quand même. Et c'est l'école privée de juristes. Ils sont tous de la haute, quasiment. Ah, de juristes, ah ouais, d'accord. Sauf, oui, sauf c'est les pas boursiers, pour rien que. Oui. Peut-être. Non, mais c'est l'école de droit. J'ai entendu que c'était un. Ah oui, l'école de droit, d'accord. Parce que j'avais entendu campus privé, d'accord. J'ai pas entendu juriste, ça change tout là, d'accord. Oui, c'est pour ça. Et. À la limite, vu que j'ai de la famille en avocat, je peux peut-être connaître un ou deux gars qui y sont. Qui ont été. Bah, potentiellement, oui. Je pourrais avoir peut-être des persos. Sinon, il nous reste la méthode du PEPN. Hein. C'est quoi ça? Eh ben, c'est le paysan en pyjama noir. Mode c'est ninja. Quoi ça? Bah, c'est le mode ninja! PEPN! Ah bah oui! Si,
Sinon, il y a aussi, on peut se faire entre guillemets, recruter par des services de jardinage ou autres du campus, hein. Moi, je dis sinon, j'ai mon parrain, du coup, qui est dans le, enfin, qui est avocat. Il doit sûrement connaître des gens. Il pourrait peut-être me filer un coup de main sur cette histoire. Alors, d'abord, je réponds juste à Wedge. Se faire recruter en tant que jardinier au campus, c'est comme prendre un château en se disant oh, tiens, on va construire une catapulte. C'est une bonne idée, mais c'est vachement long. D'accord, ok. On va construire un trébuchet. On va construire un trébuchet dans les remparts, tu vois. C'est... Hein. Et surtout qu'en plus, pour 2 heures d'investigation, ça fait un petit contrat tout petit quand même. Hein. Ouais. Je vais vous tailler une demi-haie, hein, ça vous va? Voilà, je sais pas que c'est à foutre. Du coup, est-ce que tu penses qu'il y a moyen au niveau de mon oncle, ça dépend de ce que tu demandes en fait. C'est tout ça en fait, il faut que tu l'appelles et tu dis ce que tu lui demandes en fait. On va le jouer en roleplay. Ouais. Hein. Bon bah écoute, vas-y, on va l'appeler du coup. Alors, ton oncle. Rappelle-moi, elle a un nom l'école. Bah j'imagine qu'elle a un nom de toute façon l'école privée. Enfin, Lomax. Lomax. Lomax, d'accord, ok. Alors exactement, c'est la Sir Henry Lomax High School. Ok. À savoir la meilleure école privée de juristes de la côte ouest. Ok, donc il y a peut-être moyen de faire un truc. Alors attends, une seconde. Hop là, voilà, que je me mette tes contacts sous les yeux. Au nom de Drake. Y a quelqu'un parmi nous qui est doué en discrétion et en déguisement. Très quoi ? Je regarde. Non mais je l'ai, tu l'appelles, ok ? C'est ça ? Ouais. Oui, bah allô ? Salut Drake, ça va ? C'est Christopher. Ah, ça va Christopher ? Quoi de neuf ? Alors, quelques petits problèmes administratifs avec le SAD ? Oui, des légers, des très très légers. Donc, tu vas pas perdre ton boulot quand même, hein. Déjà non, que tes parents ils apprécient pas du tout que tu sois là, si en plus tu le perds, mais tu serais la risée de la famille, hein. Ils vont te couper les vivres, hein. Non, mais c'est une grosse erreur. Pas que ça. Qu'on a modifié. Et justement, c'est aussi pour ça que je t'appelle, parce qu'on a un suspect du coup qui est très louche sur le campus de Lomas. Et le problème, c'est que vu nos gueules, on va pas rentrer facilement. J'aimerais savoir, toi qui as été dans le droit et qui a sûrement du 2-3 contacts. Ah, mais la Lomax, mais j'étais élève. Est-ce que ça tombe bien. Est-ce que tu penses que tu pourrais me filer 2-3 pistes pour rentrer du coup dedans? Parce qu'il faut vraiment qu'on parle au chef de la Sécu. Et rentrer comment en fait, exactement, parce que. Bah, soit via des profs, du coup, qui pourront nous faire entrer en plaçant comme contact. Bah, les élèves, ça m'étonnerait que ça passe. Après, je suis peut-être un peu vieux pour eux, quoi. Ça m'étonnerait que je puisse passer pour un élève du campus. Moi, en gros, tu me demandes d'entrer illégalement sur un campus, là, quand même. Tu te rends compte Ça pourrait être ça, ouais. Ouais. Parce que après, si je stalk le mec jusqu'à chez lui, je pense que c'est pas beaucoup mieux comme plan. Eh hey, mais il va jouer dans la cible, ton parrain. Surtout que la plupart des gardiens de la Lomax, ils dorment sur place. Hein. Oui, mais il sort bien de temps en temps, il passe pas sa vie là-dedans, je veux dire. Sauf pour vous mettre vraiment au vert, mais bon, là, je peux plus rien. En tous les cas, t'as pas le temps, on attend de savoir quand clairement. Il va sortir. Donc du coup, ouais, c'est un peu le projet, ouais. Je sais que c'est un service à la con que je te demande, mais je te voudrais ça, par contre. Ouais. Mais c'est quoi en fait pourquoi tu veux aller à Lomax? Je croyais que vous étiez déchargé de l'affaire. T'as et entendu que... parler du club où il y a eu un incendie? Ouais, vaguement. Bah voilà, c'était le chef de la sécu là-bas, et comme par hasard, dès que ça a cramé, lui, le lendemain, hein, il a trouvé un boulot justement à la Lomax, et il nous a menti sur quelques détails. Donc on pense qu'il a un lien assez crade avec l'affaire, sauf que bon voilà, il a l'air de s'être planqué méchamment, et nous, il nous faut vraiment des infos avec lui, quoi. Bah, limite, passe demain à la maison où je te filerai un truc pour. Je te filerai les uniformes de la Lomax. Merci beaucoup, Drake. Bon, je te dis à demain alors. Merci encore. Salut. Et je vais voir. Ce que je peux faire. Merci beaucoup. À plus tard. Ta-da ! Fin du RP. Mais j'espère que t'as confiance en lui, hein, parce que tu viens un petit peu de lui éclater plombs, donc ouais, tous ouais, nos ouais. arguments quand même. Hein, mais Oui, parce que si ça se trouve, il est membre de la haute cour et il va nous griller. Bah, ça ferait chier, je l'ai en contact à 3. C'est pas RP, mais bon, mine de rien, ça ferait clairement chier, quoi. Ah bah, tu prends des risques, hein. Ah bah, il faut. Il en va de ma carrière.
Il y a pas de risque, en fait, hein. Ouais, c'est clairement le truc à dire. Il en va de ta carrière. Bon, d'autres idées? Moi, je veux suivre les gamins. Ouais, moi je suis d'accord. Le seul problème, c'est qu'il y a les il y a les journalistes qui nous en chose. Eh ben, ouais, je pense. C'est pas grave. Je pense qu'une des possibilités, c'est que il y en a un d'entre nous qui se montre et qui monopolise les journalistes pendant que les autres peuvent aller ailleurs pour enquêter. Du coup, il y en a un qui se sacrifie et qui du coup occupe les journalistes. Qui à la limite essaie de les semer tranquillement en leur faisant croire que on va manigancer un coup et que on veut s'échapper et pouf pouf on les enfume. J'adore cette pouf pouf. De quoi, on les enfume ou pouf pouf? Les deux. Parce que pouf pouf on les enfume, pour le coup ça fait très ninja. Hein. Du oui. Coup et moi discrétion j'ai 7, ça pourrait être sympa. T'avais dit que c'était avec quoi, avec coordination? Ça dépend ce que vous faites en fait. Hein. Parce que moi, pour pas faire la discrète, je suis la personne idéale, hein. Clairement. Pourquoi pour faire la discrète. Ouais. Quoi, en discrétion, ça va, c'est en déguisement, putain, en déguisement, que dalle, quoi. Et tu crois vraiment que je suis discret, moi? En même temps, on t'a pas posé la question. Voilà. Bah après, tu conduis, donc... Idéalement, tu peux, toi, essayer de détourner l'attention des journalistes. On met 4 coussins en plus dans la bagnole, histoire de faire croire que t'es... On est 4 dans la bagnole. Sinon, Guillermo, vu que les journalistes, ils t'ont à la bonne, tu peux aller leur parler. Je préférerais Pardon. Éviter. Alors, je comment éviter dire pour ma part. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Moi aussi, je préférerais de loin éviter. Non mais par contre si tu veux, je fais la Denis. Par contre si tu veux un meurtre en direct à BFM, tu laisses Guillermo devant les caméras, c'est bon. Non. Non. C'est pas ça que tu es. Bon. Un qui se jette devant les snipers, d'autres c'est devant les caméras, chacun son style. Ouais, hein, chacun son trip. D'abord que vous allez vous coucher et vous reprenez demain. Si vous avez besoin de moi je peux vous aider pour les gosses, sinon on attend demain, ouais. Moi, j'attendrai demain et je voudrais justement, avec le debriefing, qu'on cause un peu au chef. Je voudrais avoir des informations. Ouais, bon, allez. Les autres? Ok. Pour moi, c'est bon. Ok. Clon. Oui. T'arrives, problème, bon, c'est... Tu sèmes, entre guillemets, les journalistes. T'arrives chez toi. T'as marqué sur tes portes et un peu partout, cave, balance, on a sur tagué, surtout. On aura ça. Attends, mais t'as balancé quoi, Clon? Je vais appeler non, Christopher. Tu peux m'héberger, elle dit ça. Je vais appeler Christopher avec un des téléphones intraçables. Ah ouais. Ah, ils sont pas intraçables, hein. Ouais, mais bon. Oui. Comment te dire ça? T'avais un très bon réfrigérateur avec des bonnes bières, et ça te gênerait si je dors chez toi ce soir? T'es vraiment dans la merde à ce point-là? Un cran au-dessus. D'accord, ok, bon. Bah ouais, vas-y, viens, ouais. Je vais pas te laisser dans la merde, tu me raconteras ça. Ok. Mais, je suis outré que tu ne penses pas à ta partenaire, mais tant pis. Ouais, mais alors, tu le sais pas encore. Ouais, tu le sais pas encore. Et c'est surtout que je vais pas te foutre dans la merde, toi, parce que si je te fous dans la merde, là... Alors que Christopher... En fait, quoi. Voilà. Non, c'est ça. Mais, c'est-à-dire que sur Christopher, il y a du loot à faire, quoi. Donc ça va. Oh, mais connard. Alors, toi, tu me le repéras, ça. Bon. Bah, je vais faire ça. Et comme ça, bah, si tu me laisses le divan, ça me suffira largement. Non, moi, je pensais au réfrigérateur. Qui c'est qui rentre à pied chez lui dans ce qui reste? Non, mais je peux déposer, hein, y'a pas de problème. Ouais, bah moi je vais m'entretenir avec ma coloc, vite fait, hein. Ouais, mais avant que tu t'entretiennes avec ta coloc, quand t'arrives près de chez toi, parce que y'a 5-6 personnes qui arrivent vers toi, et ils ont des carnets à la main, ils font oh, putain, Lynn, nous sommes fans, nous aimons ce que vous faites. Qu'est-ce qu'elle fait? Je regarde derrière moi, y'a personne. Y'a quelques journalistes qui sont là, mais... Et j'ai fait quoi? Ah
Mais vous arrêtez des jeunes riches drogués, c'est génial! Et tu me fais un petit jet d'éducation, enfin, perception, ouais, dans perception, tout pur. D'accord. J'annonce, hein. Je peux faire... Oh non, merde! Je peux faire un... T'as fait combien, toi, j'ai pas... 4. Ah ouais, il est violent. Y en a un qui te fait, ouais, je peux faire un selfie avec toi, je suis trop fan. Je suis un officier de police. Je pense que. Toi, tu remarques surtout qu'en fait, ils ont l'air. Il y avait une partie d'entre eux qui ont l'air d'avoir le crâne rasé. Il y en a certains qui ont l'air d'avoir des brassards un peu chelous dans ceux qui sont ouais. là. Et puis surtout, t'entends derrière. Ah putain, enfin des braves cops qui font le ménage. Ah là, qui. Il en faut plus des comme vous. C'est ça. Ouais. Le caca, ou quelque chose comme ça, quand même. Encore. Bah attends, ils font le ménage, les riches de ce monde, c'est bien. Oui. Je fais le. Allez, un selfie. J'arrête les criminels. Non, s'il vous plaît, je suis fatigué. On a été longue, tout ça. Je suis sûr que vous avez des choses à faire. Hein. Tous des PD, des vendus, et flics. Ils se cassent. Il a vite changé son avis, quand même. Ok. Justement. Oh putain, j'ai pas ma photo d'un cops qui serre la main à nazi en première page des journaux. Putain, tu fais chier, Obi. Du coup, 3h20, je rentre chez moi. Pour ma part, ouais. Pour ma part, je vais faire mes deux petites heures de sport et puis ensuite je rentre dormir. Je vais quand même prévenir Lynn que j'ai des petits soucis et a priori c'est lié à mon passé. Et que je suis chez Christopher et que je suis exprès là-bas pour pas qu'elle soit emmerdée, elle. D'accord. Tu vas faire tes... T'arrives à ta salle de sport et il y a le patron de la salle de sport qui vient te voir et qui fait non, je suis désolé, mais ça va pas être possible, rester ici, quoi, pour l'image de la salle, tout ça. On peut pas avoir des criminels, quoi. Je me connais suffisamment pour savoir que je suis... Ah non, il te connaît pas suffisamment, hein, c'est pas un de tes amis. Hein. Ah oui, c'est pas un de mes amis. Vous me connaissez peut-être pas suffisamment, mais si je suis rentré dans le coffre, après... Non, mais le jour où vous êtes lavé tout soupçon, y a pas de souci. Mais là, vu que y a quand même deux paparazzi qui arrêtent pas de vous prendre en photo, s'il vous plaît, moi j'aimerais pas qu'il y ait votre... En fait, j'ai pas envie qu'il y ait les enseignes de la... Ouais. Bon, j'ai compris. Si vous êtes acquitté, ça sera gratuit, mais si mais sinon, non, je suis désolé. Bon, ah ouais. Je vais faire mon sport chez moi tranquillement. Si t'es innocent de meurtre, t'es coupable de corruption, hein, mais bon. Son boulot, c'est ça. Non, ça, c'est parce que c'est... Question de point de vue, hein. Moi, j'ai appris à la sœur Patrick B, je veux dire, la corruption, c'est pas ce qu'on pense, hein. Si tu veux. Et du coup, on passe au lendemain, non? Pour avancer un lendemain peu. Lendemain matin? Ok. Ouais. On se pointe à 10h pour l'autre con, là? 8h. Ah, 8h, vous pointez au bureau. Putain, c'est tôt, quand même. Bon alors, messieurs. Vous avez pas fait de bêtises? Pas encore, moi je suis en service depuis une demi-heure. Non. Vous avez pas fait de, je sais pas, moi... On est allé à San Francisco... Dallas, San Francisco, non, et on est rentré par effraction au tribunal de Los Angeles. Juste ça. Voilà. Tu dis ça sérieusement? Ouais. Il te regarde bizarre. Avec un gros sourire, avec un gros sourire du genre je te prends pour un con, mais léger. Hein, léger quand même. Ah, tu joues, hein, là. Ah ben, je joue. C'était quoi l'opération des Anglais pour désinformer les Allemands? C'est un peu la même, quoi. Piège de cristal. Non, c'est pas ça, c'était... Oui, ouais, si, je vois quoi. Ouais, bon. En tous les cas... J'ai plus...
Bon. Alors, par contre, chef, juste comme ça, c'est bête qu'on soit plus sur le coup de l'affaire, etc. Parce que sinon, ça aurait été super intéressant qu'on puisse avoir les comptes rendus des dépositions de la famille Wax qui a été agressée. Oui, c'est dommage que la plupart des dépositions de la famille Wax soient entre les mains du SAD et que même un capitaine du COPS, dont les COPS sont inculpés, n'a pas accès à ce genre de dossier. Ah, en effet, c'est très dommage. Ouais. Là, il faudra occuper. Cependant, peut-être qu'un stagiaire au détour d'une photocopieuse. On pourrait peut-être réussir à pirater le sac. Je pense qu'on va pas continuer cette conversation. Quelle conversation? On était juste là pour se présenter tel qu'on allait nous demander, c'est tout. Donc messieurs, dites-moi que vous avez des bonnes nouvelles, quand même. Bah, on va dire qu'on avance, mais que du fait de notre mise à pied temporaire, c'est un peu plus compliqué que prévu. Ça avance. Alors, on pense que c'est lié à une société secrète à l'intérieur de l'école, des gamins. Mais pourquoi, pourquoi une société secrète voudrait vous accuser d'un meurtre, en fait? Alors, je pense que c'est... Alors, je pense que c'est elle qui a commis le meurtre, et qu'ils veulent nous le fourguer, parce qu'on est les cibles faciles, puisqu'on est connu pour avoir eu des petites embrouilles avec Maître Wax. Et qu'on était les cibles idéales, quoi. Ok. Maintenant, à mon avis, enfin, on pense qu'il y a un lien entre les quatre petits jeunes que j'avais arrêtés, la société, Maître Wax, et l'incendie, éventuellement des gangs autour du Medusa Vault. Tout, c'est de retrouver le fil directeur. Une fois qu'on on avancera beaucoup plus rapidement. Et vous avez besoin de parler à ces gangs? Ça pourrait être intéressant, effectivement. On aimerait bien savoir pourquoi ils étaient là. Enfin, parce que si on s'arrange avec Sniper, Pitbull et quelques-uns, on peut très bien trouver un... Comment ça s'appelle ? Je veux dire, ils ont tous des chefs d'inculpation différents. On peut très bien en arrêter un pour une raison diverse, pour un de leurs chefs, et le faire venir à l'interrogatoire. Hein. Puis bon, pourquoi pas ? Le problème, c'est qu'il reste longtemps à l'interrogatoire, et que, bon, on est des cops, on est occupés, on peut pas le surveiller tout le temps, on peut pas savoir ce qui s'y passe. Et que par hasard, on pourrait pénétrer, sans le vouloir, dans la pièce où ils sont. Il répond pas. Aux toilettes. On pourrait les croiser aux toilettes, par exemple. Ouais. Donc, si vous avez besoin qu'on fasse arrêter les trois chefs pour que vous puissiez leur parler, pourquoi pas ? Mais bon, par exemple, ça serait bien. Ça va demander un peu de temps pour que réunir quelques éléments et trouver un juge assez compatissant pour signer. Après, peut-être que si personne dans l'équipe n'a de contact, parce qu'on n'est pas obligé d'être aussi agressif que leur... Si on peut juste leur poser des questions pourquoi ils étaient là, ça nous suffit. Ouais, mais bon, les... Alors pour lui, de poser des questions, c'est l'interrogatoire. Hein. Ouais. Procédure. De toute façon, ils ont l'habitude d'être embarqués, donc ce qui serait cool, ça serait que Nestor, le chef du gang Mesa, El Padre, le chef du gang Calixico, et Obregón, le chef du gang Ocampos, puissent être, en effet, à disposition à un moment donné. Comment tu connais leur chef? Parce que moi, je note. Les chefs ont été donnés. Ah ouais, d'accord. Okay. Alors je promets pas qu'on arrivera tous à les avoir, mais on va essayer au moins d'en toper un dans la journée. Parce que bon... Il y a des mauvaises langues qui disent que c'est tous des gangs latinos, c'est que forcément je les connais, mais bon. Hein? C'est quelque chose qui m'a échappé là. Il y a un gang qui te connaît, hein. Ils ont même écrit des trucs sur ta porte. Hein. Ouais, ça, contre, c'est pas génial. Et en plus, tu crèches chez moi à cause de ça.
Ouais, aussi. Bon, en même temps... à mon avis, si tu voles son PQ, t'auras gagné plus de pognon ce mois-ci que... avec ton salaire, donc... C'est très moche. Oui, mais c'est presque pas faux, donc... Bon. Bon, sinon, pour en revenir à la question de la fusillade... Pas nous qui avions... Non, mais je veux pas savoir. Il veut pas savoir, c'est juste qu'il disait ça pour... Ouais. Bon. Mais comme c'est un jour, comme c'est toujours. Ouais. Messieurs, alors, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec l'inspecteur Damasque. Son univers impitoyable. Donc, pour le citer, j'ai pas besoin de le... Alors, c'était quoi ? C'est... J'ai pas besoin de les entendre. De toute façon, j'ai un faisceau de... J'ai assez de preuves pour pouvoir faire avancer l'affaire. Mmh. Ok. Exactement. Oh, attends, il cherche dans ses papiers. Parce que je l'ai noté, sa petite phrase, hein. Hop, touk 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 touk. On remonte. Ah, on redescend. tac, calme avant la tempête. Trouver un bon avocat. Voilà, c'était ça. Non, c'est bon, moi j'ai deviné. Hein? Je suis sûr qu'on va trouver un lien entre Damas et le truc. Excuse-moi, non, c'est juste un c'est possible. C'est possible. Donc, il me dit qu'il n'a pas besoin de vous voir pour le moment, ni de vous entendre, et que les faits parlent parlent d'eux-mêmes. Non, parlent d'eux-mêmes. Mmh. Voilà. Eh ben, heureusement. Donc, maintenant qu'il parle aux faits, moi j'aimerais bien que mes cops ne soient pas discrédités. On a le meilleur taux de réussite, de résolution d'enquête, et on a réussi à échapper en grande partie souvent au SAD. Donc ça serait bien que ça continue. Ben, on donc, va messieurs, hein, vous restez comme prévu en congé, vous vous reposez. Si l'inspecteur Damasque vous convoque, vous rappliquez aussi sec. Et voilà, et j'ai pas envie de vous revoir à la télé. Et on aimerait bien se perfectionner pendant nos vacances sur le système de sécurité. Vous pensez que ça serait possible ou pas, chef? Il te regarde. Allez parler de ça à vos collègues. D'accord, merci. Bonne journée, chef. On est avec vous, chef. Alors, tu dis ça et tu sais déjà que sa journée, elle est pas bonne, en fait. Hein. C'est pour ça que moi, derrière, j'ajoute « on est avec vous, chef ». Non, justement. c'est peut-être pour ça que sa journée est pas bonne en fait, mais bon. Ah, il s'en remettra, mais. Ouais. Bon, du coup, on va voir nos collègues. Mm-hmm. Oui. Parce que je me dis que le plus facile à négocier, c'est Pitbull et en essayant de lui racheter des heures de patrouille. Ça, à mon avis, il va accepter, hein. Il va accepter, mais de suite, quoi. Mais problème, c'est que, si on n'est pas réintégré au COPS, il s'assoit dessus, hein. Alors clairement. Ah ouais, mais complètement, même. C'est qui tout double, quoi. Ouais. Et après, les autres, je sais pas, parce que on les connaît pas forcément. Sniper, je suis pas sûr qu'il met à la bonne, mais. Il est peut-être dans le collimateur, clairement. Oui, je pense aussi, ouais. Est-ce qu'on peut citer Pitbull comme témoin de moralité ? Pardon ? T'as raison, c'est plutôt un truc à s'aborder, ça. C'est clair. Ouais. Bah, je sais pas, vous connaissez qui d'autre ? Parce qu'il n'y a pas de Ray, mais je lui ai déjà demandé pas mal de services, et donc du coup, c'est un petit peu chier de toujours taper sur le même, quoi. Mais on connaît pas grand-chose d'autre, hein. En même temps, rien ne vous empêche d'aller taper la discute avec certains... Et celui qui s'y connaît en système D et autres, c'est bon tuyau. Oui. Par contre, tu voudrais voir si le stagiaire... Et bon tuyau, actuellement, il est à la machine à café, avec un tournevis à la main. Ah. Oh non, il va pas la trafiquer. Bah, il va gêner. Il l'a déjà trafiqué. C'est réparé. Ah. Oh là. Du coup... Non, c'est pas moi. Christopher !
Mais attendez, s'il te plaît. Va crever, mon grand. Eh, hey, mais vas-y, moi j'ai payé ma tournée de portable. Rien à foutre. Bon, vas-y, je paye la tournée de café. Ouais, t'es le non, négatif. Non, c'est pas être des merdes avec les gangs, par contre, je paye ma tournée de café, quoi, tu sais. Ah bah tu crois aux licornes, toi, sans déconner. Complètement. Et si je dis pouf pouf, on les enfume, mais prendre un café, après on fait une tournée de café, ça marche ou pas? Tu fais du mal. Alors, juste une question, est-ce que dans la République de Californie en 2030, l'église de la licorne invisible a été officialisée ou pas? Sûrement. On a déjà Spaghetti Monster quand même. Hein. Ouais. Non mais vu le nombre de. Tu sais que. Alors pour faire simple, je vais faire juste un petit point rapide sur ça. Côté religion, c'est simple, les sectes dans la nouvelle République de Californie, là, ça n'existe pas. Les sectes, ce sont juste des groupements religieux indépendants. D'accord. Tu n'as pas le droit de dire le mot secte sans provoquer une flopée de procès sur ta gueule. Je vais essayer la prochaine fois que je vois une caméra de télévision, je vais dire sec, 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 sec. Exactement, en termes techniques, tu peux prononcer le mot sec devant une caméra seulement si t'as fait un stage de communication de rang 3 dans la partie religieuse. En truc religieux. Sinon, tu te rends en procès. Bon. Et le LAPD ne couvre plus le procès. Pour moi, c'est clair. Parce qu'ils en ont trop mangé. Ouais. À cause de flics pas très malins qui, en parlant de gens religieux qui se sacrifient entre eux, de sectes. Non mais n'importe quoi. Ils sont juste un peu excentriques. Ouais. Bon, du coup, donc c'était qui était... C'était bon, c'est moi qui paye la tournée. Allez, c'est bon. Ouais. Ça me coûte combien, ça? 10 dollars. Et du coup, je dis à haute voix, ouais. Denis, tu serais pas, ou est-ce qu'on pourrait trouver du matériel pour s'entraîner un peu à l'écoute et tout ça? Pas du tout. Ça serait bien qu'on en trouve. Un truc qui brouille l'écoute, quoi. Ah, vous cherchez un brouilleur? Non, pas... Non, un écouteur, non, plutôt. C'est... attends. Un micro-canon, c'est ça? Ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Hein. C'est un micro-canon. Ah, vous intéressez à tout ce qui est micro et tout? Ouais. Ouais, surtout un micro-canon. Ça pourrait nous être utile. Ah, parce qu'on on a pas mal de lots de micros, quelques lots de micros qu'on a au COPS. Bon, après, je vous avoue que, par exemple, à titre perso, j'ai acheté mes micros à moi, parce que bon, on va dire que les micros du COPS, tout le monde les utilise, sont mal entretenus, enfin, faut pas le dire trop fort, hein, parce que bon, le gars de la réserve, il le prendrait mal. Mais bon, c'est pas toujours ça, quoi. Et tu sais où on peut louer genre de matos? Si c'est du matériel vraiment d'espionnage, tu le loues pas, tu l'achètes pour le coup. Et ça coûte cher, je suppose. Ah bah, ça peut taquiner en effet. Hein. En termes juste de son, le prix, on va dire, minimal, mais ça serait... Enfin, ça dépend si c'est de loin, si c'est juste. Comment ça s'appelle, se mettre un truc d'écoute sur soi et autres. Mais on tourne dans les 1000-1500. Ouais, l'idée, ça serait de pouvoir écouter de loin. Ah, écouter de loin. Un micro directionnel, quoi. Oui. Oui, par exemple. Bah, on en a. Il y a deux styles de micro directionnel réellement. Il y a le micro parabolique et le micro laser. Donc, le micro parabolique, en gros, tu pointes l'engin vers les personnes surveillées, t'appuies sur un bouton, la machine enregistre. Voilà, et c'est si c'est à l'air libre. Par contre, le micro laser, là, c'est encore plus malin. C'est en fait, tu envoies le laser sur une surface et il lit les vibrations sur la surface. Donc c'est le micro parabole qu'il nous faut. Voilà. Attendez, hop, suivez-moi. Bon, il vous amène au dépôt, hein, derrière. Donc, micro,
il passe derrière là où il y a l'autre, il parle un peu avec le gars en disant que c'est pour montrer, et il vous sort le Sound Shark. Voilà, ça c'est un micro parabolique, donc vous imaginez bien un espèce de gun avec une parabole au bout et un micro quoi. Ça, c'est la portée, c'est à peu près 50 mètres. Une autonomie à peu près de. Et je suppose qu'on n'a pas le droit de croiser les effluves, non ? Hein ? On n'a pas le droit de croiser les effluves des micros, non ? Ouais, si tu veux. Parce que c'est mal. Et ici, hein, par exemple, on a le passwall hop, sur le micro laser. C'est en gros les deux micros qu'on a en micro à distance. Après, on a aussi les mouchards. Et là, il sort des. C'est ce qu'on appelle ça les TI. Ou les TI-INF. Des micros miniatures pour les survivantes discrètes. On peut les coller, dissimuler sur un meuble ou sur une personne en infiltré. Ça aussi, il nous en faudrait. Ouais, moi je pense que ça, c'est pas mal ça, ouais. Voilà. Et du alors coup. Bon, sachant que. Bon, là, il y a ceux qui sont actifs en permanence. Et bon, par contre, il faut en fait, il montre le micro. Ceux-là, il faut les mettre en fait d'un côté. Tu mets le micro et pas loin, tu mets un enregistreur aussi caché. C'est juste une puce l'enregistreur. Mais ça n'a pas une super portée, c'est pour ça qu'il faut avoir l'enregistreur souvent à loin du micro. Ceux-là. Mais voilà. Après, bon, on a plusieurs styles. Bon, il en sort plusieurs. Et puis on a les micro-bouchards intelligence, eux ils s'enregistrent seulement quand il y a des gens qui parlent. Ou des fois on peut les programmer pour que ça soit avec certains mots-clés. Puis là on a... Ils continuent à en sortir. Là on a le détecteur audio stress, notre détecteur de mensonges. Alors ça, on a qu'un seul... On prend tout, hein. Il vaut 50 000 $. Et on peut le relier avec la plupart des micros qui existent, et ça permet en fait en direct d'avoir une vague idée si le mec il pipote ou pas. C'est le must du must à avoir quand on surveille quelqu'un. Placement produit. La question, bah du coup, il faut arriver à le convaincre de nous les faire sortir, parce que là du coup, parce que moi je suppose alors, là, que il mon personnage, je pense que t'arriveras pas à le faire sortir déjà. Oui. Ouais, Non mais mon personnage, si tu veux, il a un peu l'impression, comment dire, c'est un peu comme un gamin dans un magasin de bonbons, si tu veux là, tu vois. Donc ouais. Il nous faudrait le shark et des micros à détection ouais. De gens qui parlent en fait. Je pense, ouais. Avec enregistreurs qui vont bien. Ça serait pas mal. Bah, les enregistreurs sont fournis avec, hein, de toute façon. Oui. Alors du coup, idéalement, je lui dis, hein, idéalement, pour nos tests, on aimerait bien, celui-là. Donc je lui montre le shark machin, et ceux-là, qui détectent les paroles des gens. Il nous en faudrait 4, c'est comme ça. À peu près. Et vous les faites ouais, carrément. Ouais, ça fait un paquet là pour des tests. À la limite, ouais, déjà le Sound Shark, on en a quelques-uns. On peut vous en prêter un. Mais non, faites pas les cours avec, hein. Oh, jamais. Non, du tout. Nous sommes des gens de bien. C'est quoi la portée? Le Sound Shark, 50 mètres. Ouais, ça fait chaud. C'est proche quand même, hein. Ouais. Ouais, je trouve aussi, surtout pour avoir eu des micro-canons, je pense que ouais, je vais augmenter la portée, parce que c'est un peu du foutage de gueule, 50 mètres. Ouais. Non, 200, on va dire 100... Ouais, enfin, on va augmenter toutes les portées, donc ça va faire plutôt du 150 mètres. Le passwall 250 et le WSenshi 400. WSenshi, c'est un micro qui fait les deux, micro-laser et micro-parabolique. Et là, par contre, ouais, il l'a sorti, il fait celui-là, c'est mon préféré. Mais bon, pareil, on en a un ou deux et... On te le laisse, y a pas de problème, on n'a pas besoin de ça, nous. On veut pas abîmer ta rôle. Et du coup, donc, tu penses que c'est possible pour le shark ou pour le... Pour les autres, ça va être plus compliqué. J'ai pas entendu ce que t'as dit.
Je disais, ça va être possible pour le shark machin, mais pour les autres, c'est un peu compliqué. Ah, les autres, le problème des micro-bouchards intelligents, c'est qu'on n'en a pas des masses, majoritairement. Parce que bon, c'est, on les appelle les clever bugs ou cafards, plus intelligentes. C'est donc. C'est. Tac. C'est, bah après, ouais, c'est. C'est en fait le truc, il t'explique, c'est que les détecteurs en fait de mouchards, normalement, ils détectent en fait s'il y a des ondes qui partent. Le truc des micros intelligents, c'est que bah tant qu'ils sont pas sollicités par nous en fait, enfin par un cops ou par la personne qui l'utilise, le mouchard est inerte, donc pas détectable. Donc forcément, on en a pas énormément et ça vaut assez cher. À la limite, je peux vous en filer un. Mais et tu ouais, ça va, on va pas abuser, on va pas abuser de ta gentillesse, mon tuyau. Donc il te file un Trojan B22. Donc l'autonomie elle est de 6 mois du bordel. Hein. Ah oui, oui ça va. Ah ouais, quand même. Dans tous les cas, il vous dit si vous avez besoin d'en acheter, de votre propre matériel, je peux vous filer une adresse. Bah, dis toujours, hein, ça vaut le coup. Hein. Oh, bah, il prend un carton, il vous file une adresse. Alors, dans quel quartier? Bon, ça. Ah, ne dis pas Norwalk. Hein? Ne dis pas Norwalk. Pourquoi? Parce que c'est chiant, Norwalk. Mais non, justement, c'était pas Norwalk. Je vais tout le cramer, Norwalk, quand même. Ça va être à Palos Verde. Ah, t'es sûr? C'est le palais vert, ça veut dire? Je suppose. Non? Je sais plus. Il y a des chances. Dans tous les cas, on va pas tarder à s'arrêter là, vu l'heure. Okay. Je verrai plus tard pour Drake alors. Bah ouais, c'est ça. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, avec. Comment ça s'appelle? Lille qui met la main sur les micros. Ouais! Des nouveaux jouets. Je suis pas le seul, hein, mais. Enfin, la seule, mais. Oui! Mais c'est toi qui disais que t'avais des yeux. Oui. Je sais pas si ça... Bon bah pour... moi j'ai coupé tout là, de mon côté. Ouais, je vais couper l'enregistrement. Au revoir. C'est... Next.